1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez hop, c'est parti, chargé. Hop là. Ah, c'est vrai, je vais t'arrêter à 21h. Puis forgeron donne accès à des modules d'armes. Putain, je suis trop con, moi. C'était quoi, armure? Je crois que c'est armure, hein. Non, c'est pas armure, c'est Du coup, faut que je prenne Pipers. Ouais. Je vais parler avec Valentine, je vais voir ce qu'il me dit. Et c'est en vrai, parce que je crois que j'ai gagné un truc. Putain, je suis trop con là. Je crois que je suis passé expert en je sais pas quoi là. J'ai débloqué un truc, je sais même plus ce que c'est. Jamais utilisé sur un champ de bataille. Il s'agit d'une catapulte portative lançant tout simplement des bombes atomiques. Ce que j'ai balancé sur l'accorcheur, ça, je l'avais défoncé. Alors. Tac, tac, tac. Ok. Sûrement rien, mais un type est arrivé en ville. Hey, je suis. Y'a qu'à demander. Comment ça va entre nous, Nick? Franchement, j'ai jamais eu de meilleur partenaire que vous. J'exagère même pas. Donc je dirais que tout va pour le mieux. Un avis sur la situation? La confrérie a des opinions assez tranchées sur la place de la technologie dans le monde. J'espère que vous ne les partagez pas. Un avis sur la situation? On m'a dit que mes enseignes agence de détective Valentine faisaient mal aux yeux. Bah, n'empêche que rameute la clientèle. Tout va bien entre nous? Franchement, je pouvais pas espérer mieux comme partenaire ou comme ami. Ah putain, j'aurais bien voulu prendre Piper. Hein. Je crois qu'on devrait se séparer, Nick. Dommage. J'ai plus qu'à rentrer chez moi alors. Ce sera pas pareil sans vous. Marina des Grétours, quoi? Quoi? Un Stamping Bluff, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bah, il peut pas juste rester à Diamond City? Relais routier, Marina des Grès, Sanctuary Hill. Je sais pas c'est où c'est Pin Bluff. Je l'ai envoyé là-bas, je sais même pas c'est où. C'est où que c'était Pin Bluff? C'était Pin Bluff, qu'est-ce que c'est que connerie? Oh, c'est forcément là-bas. Oh putain, c'est Pin Bluff. Ok. Sécurité.
sécurité, les synthétiques sont interdits au surplus. Ok, bah attends, autant charger la partie. Et renvoyer Valentine à un sanctuaire au pire. Hein. Attends, tu mes compagnons, je vais les envoyer en sanctuaire. Hein. Pour des zombies, les ghouls sauvages sont en fait des humains terriblement éloignés dont le pourrissement du cerveau a provoqué la folie. Ah ouais, putain. Oh putain. Valentine. Viens là. Hé, hey, je vais voir ce que je peux faire. Bah, je vais l'envoyer avec le sanctuaire. Attends, il change vite, c'est quoi? Ok, c'est bon. Il a rien. Attaque. Attends, bouge pas, wesh. Arrête. Hé, hey, c'est quoi le plan? Vous savez ce que vous avez dit? Mec, y'a qu'à demander. On te renvoie. On devrait se séparer, Nick. Dommage. J'ai plus qu'à rentrer chez moi alors. Oh putain. Ce sera pas pareil sans vous. Ah là, il me fait du mal. Moi, je l'envoie au sanctuary. Allez, vas-y. Je cherchais Piper. L'institut espionne-t-il pas? Je vais voir comment est la relation avec Piper. J'espère que je peux la pécho. Hein. J'ai le seum. Parce qu'avec Inik, évidemment, bah, on est amis. Mais avec Piper, est-ce qu'on peut être plus que des amis? Moi, j'espère. Oh, on est pas quoi là? Hein. C'est quoi ça? Costume noir propre. Oh putain. Du scotch. Attends, le costume noir propre, ça, il est hyper bien. Fidèle, le costume noir. Tenue. Ah bah, bon, il donne la même chose. Moi, je vais t'échouer celui-là, comme ça, moi, je suis ambiant. Je suis bien. Hop là. Oh, elle est pas là, la connasse. Bah, elle est où? Une robe rouge. Un missile. Ouais, toujours plus. Épingle à cheveux, je prends. Ventilateur. Pom, 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 pom. Merde, elle est où du coup, elle? Ah, je l'ai déjoué, elle, wesh. Oh là là. Oh là 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 là. Vendre des journaux, ça demande du boulot. Public occurrence. Ah, c'est le truc de Piper, ça, non? Oh là 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 là. Mais je crois que je l'avais pas pris en... Ah, mais putain, merde. Ah, merde. Oh, merde. Putain, merde, est-ce que je vais la trouver, mon Piper, moi? Oh merde. Oh merde. Oh putain. Oh putain, merde. Putain, je vais la trouver au sanctuaire, peut-être, alors. Attends. Alors, attends, il y avait Stepping Bluff. Il y a deux personnes. Ça peut être qui, wesh? Concorde. Ouais, est-ce qu'il y a... Si, ok. Ok. Oh lolo, quel enfer. Musée de la sorcellerie. Ça m'étonne ce que je peux envoyer. Oh là là. La zéro. C'était plus une base, c'est impossible que j'ai envoyé quelqu'un, je connais pas. Ok. Bah, il doit être forcément là-bas. Je vais aller voir Stepping Bluff.
Il y a deux personnes qui foutent la veuve. Qui est-ce qui foutent la veuve? Là, ça peut être qui, wesh? Il y en a deux. Ah, mais c'est les deux cons là, d'accord, je me rappelle. Attends, elle est où votre porte? Bah, elle est où votre porte? On parle de toi ou quoi? Ah non, là. L'agriculture, c'est un travail honnête. Échangeons des objets. D'accord. Échangeons des objets. C'est tellement pas naturel. Ok, donc c'était plus une bluff, y'a rien. Roller le outil, y'a rien. Concorde, y'a rien. Donc Paper est forcément à Sanctuary alors. Que pratique pour éclairer les zones sombres, la lumière de votre pub réduit votre furtivité. Ah! Ah, je savais même pas. Je savais même pas qu'on pouvait se faire cramer quand on avait de la lumière. Alors, tac, tac, tac. Merci. J'ai l'impression de pouvoir enfin réfléchir clairement. Apparemment ils sont 8. Apparemment. Putain merde. Ça fait longtemps que j'écris. J'ai un service à vous demander. C'est idiot, je sais, mais j'ai bien besoin d'une chaise. Quelque chose d'un peu plus doux pour mes vieux os. Vous pourriez faire ça pour moi ? On verra. Pas besoin de la vision pour savoir que ça veut dire peut-être. Prenez votre temps. Ok, c'est bon. Je pourrai mieux vous aider quand j'aurai un siège. Jeune long, mais cassez-vous là. Voilà, cassez-vous. Ils sont bizarres. Ouais. Jeune long, mais c'est qui lui? Bah Piper, elle est où, wesh? Bah c'est bizarre, hein. Bah il doit être forcément là, c'est obligé. Un béret militaire. Je fouille un petit peu, mais bon, il ne peut pas y avoir grand chose. Hein. Putain, merde, je sais pas aller où. Je sais pas si je pourrais la trouver, Piper, c'est bizarre. Après, je me rappelle pas avoir été. Je m'étais mis avec elle et après je l'étais, mais je me rappelle pas. Bah non, mais peut pas être aussi loin, c'est bizarre. Mais déjà même Valentine devrait être là normalement. Du coup il est pas là Valentine. Faut attendre du temps faut du temps pour qu'il arrive ou. Aïe 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 aïe. Compliqué hein. Bah alors.
Non, il n'y a plus de Valentine normalement là. Valentine, voilà, il est là. Donc si il est là, ça a l'air c'est là que Piper. Ça veut peut-être dire que Piper, je l'ai pas envoyé à Sanctuary. Un jour de plus dans le Commonwealth. Ouais, Preston. Et mon chien, je l'ai envoyé où moi? Attends, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai arrêté de boire de l'alcool après m'être installé ici. Les toupies m'ont dit que j'avais bousillé mon foie. Je m'en bats les couilles, laisse-moi tranquille, toi. M'emmerde, lui. Bah, cette personne maintenant. Oberlin. Ah. Ah, apparemment il y a deux personnes. Mais non, c'est les gens que j'ai aidés aussi, non? On va aller voir après. Mais bon, c'est des gens que j'ai aidés, ça, je pense. Station Berlin, je crois que c'est des gens que j'ai aidés aussi, c'est pareil. Hein. Oh là là. Là, je vais perdre une demi-heure à chercher Piper, c'est fou. Ouais, 20 minutes. Alors. Ah merde, c'est les connards, bah ils sont deux, wesh. Ça a l'air de bien pousser. Ouais, bah attends, je prends tout. Ah, du coup elle est pas là. Du coup il y a Stepping Blood, je sais même pas c'est où. Ah non, c'est Trinity Tower. Est-ce que je me souviens pas avoir une autre Putain. Marina des Grès, d'accord. Rowan Quincy, d'accord. Il y a un truc ici là. Une grotte rocheuse. Attends, on va revoir à... à Diamond City, hein. Ah, n'importe où, à n'importe quel moment. Oh putain, comment je vais faire pour la trouver, moi, Piper? Piper. 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 Personne peut faire taire la presse.
pas là, si. Putain, mais elle est pas là, on fait vraiment. Lui appartenant à quelqu'un. Terminal de paper. Mais non. Non, non, moi je vais juste attendre pour voir si elle arrive, cette connasse. Voilà, est-ce qu'elle arrive? Hop. Si j'attends 8 heures par exemple. Ça bouge pas. Public 46 est là pour vous ouvrir les yeux. On n'en fout pas ta vie. Ah non, elle est pas là, Piper, wesh. Elle est morte ou quoi? Non, c'est bizarre, hein. Salut, Nat. Eh, hey, monsieur. L'interview que vous avez donnée à Piper se vend vraiment bien. Tenez, voilà votre exemplaire gratuit. Ok. Bah ouais, c'est cool. Mais j'aimerais bien voir ta sœur, moi. Enfin, pour qu'elle m'accompagne, hein. Pas de truc bizarre, hein. Du coup, elle est vraiment pas là, cette connasse. Mais où est-ce qu'elle peut être? Bah oui, c'est bizarre. Comme là, elle me disait 8 et maintenant 7. Ouais, j'ai beau réfléchir, putain, je vois pas où est-ce qu'elle pourrait être, cette connasse. Tu sais, t'as pas de liste de perso ou truc comme ça en plus. Putain. Faut que je surveille la porte. Allez-y, entrez. Oh putain, merde. Ah, bruit 114. Comme le chien, je sais pas, il est où le chien? Je sais pas, il est parti où le chien, tiens. Les deux personnes, on les a vues, les deux personnes. Covenant. Ah, je vais. Ben non. Sinon, il m'aurait dit il y a des personnes. C'est obligé que je l'ai envoyé à un sanctuaire. Je suis pas con quand même. Après, j'aurais l'envoyé à Perpète là.
assez bizarre, hein. Pom, 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 pom. Voilà, alors. Ok, c'est pas Piper, ça. Faut pas que je me bloque. Con de se bloquer. Putain. Putain, mais je la retrouve pas, wesh. Putain, elle est où? Elle est morte ou quoi? C'est ça qu'on peut les recycler, tout ça, j'avais oublié. C'est que de source, ok. Bah, Valentine, il est là. Donc, si Piper, elle est là, elle est forcée, si je l'envoyais là, elle est forcément quelque part alors. Il doit y avoir un bug, c'est obligé. Non, il doit y avoir un bug, je vais regarder sur internet, je pense. Hein. Okay, c'est bizarre. Hein. Genre un truc de Valentine peut-être alors.
Genre un skip dans le bureau de Valentine alors. On va voir. Tac. J'ai rompu avec ma copine. Elle collectionnait les bouchons des tubes de dentifrice. Et vous savez qui fait ce. Je vais mater quand même ici, c'est jamais. Ah, je me bouffe un chargement. Putain. Elle est pas là. Donc dans le bureau de Valentine, peut-être. Ça, j'avais fait un truc vert. Valentine. C'est quand même con de pas les renvoyer là où ils habitent quand même. Apparemment, on peut être ici. Bah non, il est pas là. Hein. Eh non, il est pas là. Hein. Putain, merde, comment je peux faire? Il y a toujours une piste à suivre, un indice à trouver. Oh oui. Yes. Bah non, elle est pas là. Putain, ah putain, comment je vais faire? Qui a skip à 12 heures.
tirer sur les gens, monsieur. Parce que mon père dit que c'est ce que vous voulez. Skip a mis les dans son bureau. Moi, hein. La cloche. Ah merde, faut que j'attende là. Public au 46 est là pour vous ouvrir les yeux. Oh la roue! J'espère que votre nouvelle maison vous plaira. C'est le bureau du maire, ça ? Putain, elle est pas là, ouais. Je comprends pas où est-ce qu'il pourrait être. Ah bah elle a disparu, cette connasse. Continuez à me regarder comme ça, je vais finir par me dire que vous êtes synthétique. Ah, oh, j'ai le seum. Oh, j'ai le seum, putain. Vraiment, je suis pas le seul à ce que ça fait. C'est horrible, c'est juste.
alors. Paper actor. Au Comico alors peut-être. Commissariat de Cambridge peut-être, mais je vois que c'est foutre là-bas. Ah oh, putain, ça sur une heure là. 45 minutes que je la cherche cette connasse, c'est grave. Ça va être le Cambridge qui sert à présent d'important poste d'écoute. Ah, oh, je me tape encore à chargement. Putain, c'est grave. Qu'est-ce qu'il foutrait là Pipers. Putain, les endroits que j'ai pas fouillé. Cambridge. Moi, ça s'est remis à jour. Tiens, tiens, tiens. Oh. Une bouteille de lait vide. Non, c'est de la merde. Elle est pas là, hein. Putain, elle est où cette connasse? Putain, j'ai le seum.
Oh, le seum. Il faut que je fasse une cloche. Putain, est-ce que j'ai mis tous mes outils, moi? Putain, est-ce qu'ils vont me le mettre là-bas, ces cons-là? Est-ce que ça stocke dans un seul truc? Ou est-ce que ça stocke dans plusieurs trucs? Oh, putain, quelle galère! Ah, Piper, ta grand-mère, là! Putain! Élevés, plus leurs habitants sont productifs, plus le bien-être. Ah, ok, d'accord. Putain, la relou. Oh, la relou. Putain, mais je me demande si j'ai bien pu la foutre. J'ai porté tout le temps du maternity. Merde, j'ai pas le temps. Pas le temps de lire. Donc. Yes, ok, c'est bon, c'est cool. Fou. Atelier. Mobilier, décoration, électricité, défense, ressources, magasin, fabrication, pillard. Non. Non. Ressources. Défense. Ah, défense, c'est pas. Non. Électricité, bon, c'est non. Décoration. Pénis de skate. Ah, c'est dégueulasse ça. Sac à viande. Pour Mama Murphy. Structure. Métal, porte, clôture, divers. Un totem. Je m'en bats les couilles les totems. C'est des portes. Comment je peux faire une putain de cloche là? C'est incroyable ça! Putain! Je peux faire une cloche, ouais! Je peux faire une cloche! Alors peut-être qu'il y en a une déjà? Ah, une cloche. Pourquoi? Il manque du bois? Ah, d'accord. Ok. Bah, je vais la foutre là. Hey Piper, t'es où? J'espère que cette pluie va bientôt s'arrêter. Ok. C'est mon Valentine. Ok, Valentine. Et Piper, ouais, elle est pas là cette connasse. Putain, et le chien il est où? Putain. Ouais, j'ai pas construit des cloches à chaque fois. Hein. Ah. Oui. Piper, putain, ta grand-mère, venez me voir. Allons-y, d'accord. Putain, allons-y, bordel. Oh! Hey! Montrez le chemin, tenez, ça vous aidera à tenir le coup. Ça a toujours marché pour moi. Un
Un avis sur la situation ? Je suis derrière vous. Je me demandais où on en était, vous et moi. Difficile à dire. J'aimerais juste que vous me prouviez que vous ne faites pas tout ça uniquement pour vous-même. C'est tout pour l'instant. Entendu. Voilà, putain, enfin. Je peux pas le commander, ok, c'est bon. Putain, Piper, yes. Piper, le dernier dinosaure. Faire votre rose. Allez voir le paladin dance. Ah yes, putain, enfin, quel enfer. Oh là là, putain, Piper, ta grand-mère aussi là, j'ai perdu 45 minutes à cause de toi. Putain, j'espère qu'on peut la pécho, hein, parce que putain, un enfer. Oh, le modèle policier de Protectron utilise de puissantes attaques au corps à corps ainsi que de douloureuses décharges électriques. Putain. Piper, le dernier dinosaure. C'est là du coup. Voilà, Piper le dauphin. Attends, je vais pas donner des trucs hein, du coup. Attention. Qu'est-ce que je peux faire? Échanger. Oh, qu'est-ce que de près de bord. Allez, viens, bébé. Ah, putain, quel plaisir. Après, pour avoir la même relation que j'ai avec Valentine, putain, ça va être long. Hein. Mais bon, au moins, c'est réussi. C'est déjà ça. Excusez-moi, Paladin ouais, Dance. Vous voulez monter à bord? Yes, we can. Quelle question. Je n'ai jamais rien vu d'aussi impressionnant. Ça vous coupe le souffle, hein? Notre dirigeable s'appelle le Pridwen. Il transporte assez de troupes et de matériel pour lancer une opération de grande envergure. S'il est là, c'est que l'aîné Maxon est là. Et ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ok, Macron. Qui est l'aîné Maxon? Un homme dangereux, très dangereux. Oh. Maxon est le commandant en chef de cette division de la confrérie de l'acier. C'est un modèle et un exemple pour tous les soldats de la confrérie. Si nous partons en guerre, je peux vous garantir qu'il sera en première ligne pour lancer l'assaut. Quoi qu'il en soit, vous allez bientôt faire plus ample connaissance avec le Pridwen. J'ai reçu des ordres. Nous devons nous présenter tous les deux à bord. Suivez-moi sur le toit du commissariat. Je vous offre un petit tour de manège. Oui, il court, hein. Elle vient. Piper. Putain, mais viens, Taras. Elle est où? Mais elle est où, Piper, wesh? Elle est là. Mais non, c'est pas... Mais elle est où? Vous avez envie d'aller récupérer un autre objet technologique? C'est une putain de blague. Moi, je vais péter les plombs. Je vais péter un plomb, là. Elle est où, Piper? Piper, ta grand-mère, là. Aïe. C'est pas possible, j'ai pas perdu encore là. Non, mais rassurez-moi, dites-moi qu'elle est là. T'as eu peur, ta grand-mère, t'es où? Elle est là. Ouh. Ah non, j'ai jamais oublié. Sinon. Les mitrailleuses déchargées et parées à tirer. Si vous repérez la moindre cible ennemie pendant le vol, vous avez l'autorisation d'ouvrir le feu. Oh ouais. Identifiez bien vos cibles, d'accord? Nous ne voulons pas créer d'incident avec la population locale en touchant des civils. Je me souviens pas de ça. Je me souviens pas, j'ai jamais fait ça. C'est stylé. Ah ouais, c'est incroyable la vue. Alors, comme forcément des goules ou... Je me dis, si vous ne trouvez pas, je suis toujours étonné de constater à
avantage tactique sera sûrement primordial dans notre combat contre la cité. Leur supériorité technologique n'est plus à prouver. Et personne ne peut dire quelles armes terrifiantes ils ont à leur disposition. Mais avec un peu de chance, nos fins stratèges et nos forces aériennes feront la différence. Il ne reste plus qu'à les trouver. Quand quoi le jour sera venu, quoi je peux vous assurer que l'aîné Maxon aura déjà un plan de victoire infaillible. Bah les gars, je tire, je vois personne. La prairie de l'acier est la dernière chance de survie au Commonwealth. Hommes, femmes, enfants. Tout le monde, là ou pas, ils sont tous en danger de mort. Si nous échouons, l'ennemi s'en prendra forcément à la population un jour. Guérir le Commonwealth de ce mal révoltant est notre devoir. Et je suis prêt à tous les sacrifices pour obtenir la vie. Bah alors là, je vois une dalle. Hein. Parce que je suis aveugle, je suis con. Oh putain, qu'est-ce qu'il a fait? Ok. Putain, je vais changer de fringue. Costume noir. Chapeau de tueur à gage. En charisme 2. Du coup, ça fait. Ça me fait combien en stats? Ça me fait 9 en charisme. Ça me fait 9 en charisme, mais meilleur. Je peux tirer au calme. Hop là. Par contre, moi j'ai vu personne, hein, les gars. Toi, les gars, moi je vois rien. Pas arrêter, c'est le jeu. Ah, le voilà. Ça fait vraiment trop longtemps que je ne suis pas monté à bord. Nous y sommes, soldats. Les minutes qui vont suivre seront les plus importantes de votre vie. Carrément. Carrément les plus minutes les plus importantes de ma vie. Il tombe pas, poteau. Hein. Ah, parce que les autres, mais là. Mission montée à bord, capitaine. La mission attendait. Heureux de vous revoir parmi nous, Palavan. Permettez-moi d'être le premier à vous féliciter pour la réussite de votre mission. Et voici notre nouvelle recrue, si je ne m'abuse. Oui, capitaine. Je l'ai promu au grade de conscrit. Et j'aimerais superviser personnellement son intronisation. Oui, nous avons lu vos rapports. Vous serez ravi d'apprendre que l'aîné Maxon a accédé à votre demande. Placez la recrue sous votre responsabilité. Merci, capitaine. Quels sont les ordres? Vous resterez à bord du Prédouane en attente de vos instructions. Très bien, capitaine. Ad victoriam, capitaine. Ad victoriam, madame. Voici donc la recrue que le paladin Dance a pris sous son aile. Pas eu peur, dégage. Vous n'avez pas l'air d'un soldat. Les apparences sont parfois trompeuses. Précisément, c'est pourquoi j'insiste pour examiner scrupuleusement toutes les recrues qui posent le pied sur cet aéronef. J'ai parcouru les rapports du paladin Dent. Il a l'air persuadé que vous ferez une excellente recrue pour la confrérie. Vous pensez peut-être qu'un tel soutien vous donnera droit à un traitement de faveur. Mais je vais être très clair avec vous.
La confrérie de l'acier est venue au Commonwealth, dans un but bien précis. Je me fiche de savoir si vous êtes le messie réincarné, le dernier espoir de l'humanité ou je ne sais quoi encore. Je ne laisserai personne mettre notre mission en péril. Est-ce bien clair ? Quelle est votre mission ici ? Je ne peux pas en parler. L'aîné Maxon va bientôt s'adresser à l'équipage. Je pense que son discours répondra à toutes vos questions. Bon, tout est clair ? Vous avez des questions ? Même pas un petit indice ? Allez, je mérite au moins ça. Non. Vous allez devoir attendre le discours de l'aîné Maxon comme le reste de l'équipage. Plus de questions maintenant. Il est temps de vous mettre au travail. Compris ? C'est tout pour le moment, soldat. Vos ordres sont les suivants. Présentez-vous sur la passerelle de commandement pour assister au discours. Oh, j'ai une 9 et il a dit non, bâtard. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Sinon, vous pouvez disposer. Oui. Où est-ce que je peux me procurer une armure assistée ? Seuls les chevaliers de la confrérie peuvent porter l'armure assistée. Vous n'êtes pas encore chevalier, que je sache. Vous allez devoir attendre que l'aîné Maxon confirme officiellement votre promotion. Autre chose ? Salut Yaya, ça va ou quoi ? Pas de questions. Pas de questions. Alors je vous suggère de vous rendre immédiatement sur la passerelle de commandement. Rompez, conscrit. Contre quoi ? M'a insulté là, non ? Ouais, tranquille, tranquille. J'ai fait la route au calme. Bon, ça va, ça va. J'ai juste passé 45 minutes à chercher Piper qui avait disparu. Mais ça va, ça va. Bienvenue à bord. L'aîné Maxon va faire son discours. Il y avait un bug à moitié là. Un gros Piper, je l'avais rendu à Sanctuary. Et vas-y, je vais à Sanctuary. je la retrouve même pas. Je sais pas où elle est, je la cherche et tout, je comprends pas. Du coup, je regarde sur internet. Bah ouais, c'est chiant. C'était déjà arrivé ça? Comme le chien, hein. Je sais pas où il est, le chien aussi, pareil. Hein. Puis du coup, j'ai vu une vidéo sur internet qui disait de faire une cloche à la Sanctuary et de la sonner. Et après, les gens ils viennent quoi. Du coup, j'étais obligé de faire une cloche. Du coup, j'ai fait une cloche, je l'ai sonné. J'ai attendu 5 minutes que tout le monde vienne, parce que t'en as certains. Ces chiens, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas genre ils courent, ils entendent la cloche et ils courent en mode ah, ça sonne. Non! Il marche tranquille comme ça. Hop, je vais en voir un. J'en vois deux, trois. Il y en avait 8, je crois. Un Sanctuary. Hop, j'en vois deux, trois. Il y en a 7. Putain, il manque quelqu'un et tout. C'est qui? C'est le chien ou c'est Piper du coup? Je vois au loin Piper, elle marche comme ça. Comme si, genre en mode. Comme si ça va, elle était pas trop chiante là. Mais ça fait pas 45 minutes que je la cherche quoi. Le second de notre elle arrive, ça va, comme ça. Hop là, salut. Hop là. Et là, du coup, je l'ai trouvé. Ah ouais, mais j'aime bien en fait, des fois. Par exemple, bon, le chien, je l'ai pas gardé longtemps. Et du coup, au final, le chien. C'est pas qui. C'est stylé d'avoir le chien. Mais en fait, le chien en soi, il sert à rien. Parce que par exemple, Valentine, j'avais pris Valentine. Et il faisait pas mal de dégâts. Et il m'avait donné une quête par exemple avec des holobandes pour aller chercher Winter. Ah bah c'est pas bête, c'est pas moi qui l'ai trouvé hein. L'idée vient pas de moi hein. Même si je suis quelqu'un d'assez intelligent quoi je veux dire, mais ça vient pas de moi. Mais j'ai eu l'intelligence de trouver quelqu'un qui a eu l'idée de faire la cloche. Donc quelque part je suis quelqu'un d'intelligent aussi, mais bon. Mais passons. Du coup j'avais pas pris le chien, j'avais pris Nixon. J'avais pris Valentine, et Valentine c'est bien parce que des fois tu peux discuter avec lui, des fois il peut te raconter des anecdotes. Ah merci pour le follow Yaya. C'est parce que j'ai dit que t'étais intelligent, j'ai dit putain mais c'est vrai qu'il est intelligent ce mec, la tête de moi je me follow. Bref. Du coup je disais, parler à l'aîné Maxon. Du coup je disais, le chien je l'avais pas pris, j'avais pris Valentine au début. Et Valentine ce qui est bien c'est qu'il fait plus de dégâts. Et du coup, des fois il parle, et par exemple, il m'avait donné une quête qui était stylée, c'était avec Winter. Je sais pas si tu l'avais fait. Et du coup, je l'avais fait, c'était pas mal stylé. Des fois, il donne des anecdotes, il raconte sa vie, il discute, il donne son avis sur la situation, c'est stylé, j'aime bien. Et du coup, comment ça s'appelle? C'est exactement ça que je veux! C'est pour ça que j'ai pris Piper! Du coup, après, putain, je sais pas, je l'appelle Nixon, je sais pas pourquoi. Avec Nicky Valentine, on était on est amis, et du coup, à un moment, ils m'ont mis un truc, votre amitié, votre relation avec Valentine, est pas au maximum, tu vois.
Et j'ai reçu un truc, je sais même plus ce que c'était. Un truc d'expert, je sais plus ce que c'est. Et du coup, je me suis dit merde, parce que c'était stylé avec Valentine, tu vois. Bon, Valentine c'était bien, il était efficace. Mais du coup, t'avais le truc et les relations qui s'augmentaient, tu vois, c'est stylé, tu vois. Mais du coup, je me dis putain, ça se trouve en vrai. Parce que à chaque fois, il me parlait d'amitié. C'est-à-dire que c'était mort en fait, tu vois, il m'a friendzone quoi en fait. Il m'a friendzone en fait. Ça prend 1000 ans de sortir avec eux. Ah ouais? Mais c'est pour ça que j'ai pris Piper. Du coup, je me suis dit, vas-y, je suis au maximum avec Nick Valentine. Bah, vas-y, nique sa mère. Je vais prendre Piper, tu vois. En plus, c'est une meuf. Elle est mignonne, tout ça. Tu vois? T'as compris, hein. Du coup, vas-y, je me dis, je vais chercher Piper. Et là, j'ai commencé mon live à 16h. À 16h15, un truc comme ça. Et bah, j'ai retrouvé Piper qu'à 17h15. C'est vraiment. J'ai retrouvé Piper qu'à 17h15, cette connasse. Je veux aider la population du commun. Je n'en doute pas. Pas. Et du coup, bah là. Aïe aïe aïe! Bah, du coup, là, je commence enfin la quête. Piper n'a pas aimé. Ah bah merde. Ah bah non, Piper. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux que vous preniez vos responsabilités. Et là, j'ai mis mon beau costard au cas où il y a des questions. Je peux gratter des infos là. Si j'en crois les pour le charisme. Vous êtes déjà sur la bonne voie. Vous ne pourriez espérer meilleure recommandation. C'est un de mes officiers de terrain. Parce que toi, t'as dû beaucoup avancer sur le jeu, je pense, non? Au grade de chevalier. Parce que tu peux te mettre en couple avec qui? Avec Piper et bah, Piper en fait, non? Pour vous protéger au combat. Portez-la avec fierté. Pas paladin. Chevalier, c'est tout? Pourquoi pas paladin comme Dance? Au sein de la confrérie, nous respectons une organisation hiérarchique très stricte, basée sur les grades. Bah, qu'est-ce que t'as fait, wesh, pour le faire deux fois? Ah, t'as changé le niveau de difficulté, peut-être? Et Dance a dû servir de nombreuses années avant de l'atteindre. N'ayez crainte, votre loyauté sera dûment récompensée en temps et en heure. Je vais maintenant vous laisser vous familiariser avec le prix douane et le reste du personnel. Dès que vous aurez terminé, présentez-vous sur le pont d'envol pour recevoir vos ordres. Bienvenue à bord du prix d'Ouen, soldat. Oh là, il y a sa main qui passe à travers son manteau. Allez voir la paladin Dance. Attention, Delta. Qu'est-ce que vous avez pour moi? À 100%. Delta secondaire en attente. Surveillance interne active. Tout est calme. Prudence. Dites-moi tout. Toi aussi, je t'ai fait niquer ta partie une fois. Moi, je me souviens. J'avais déjà commencé le jeu, j'avais même pas fait, j'étais même pas arrivé, j'étais à peine arrivé à. Piper. À comment ça s'appelle J'étais à peine arrivé à Diamond City. En fait, à ce moment-là, je cherchais du taf. Du coup, le matin, des fois, je partais faire les boîtes d'intérim. Mais du coup, comme j'étais au chômage, du coup, mon pote aussi était au chômage. On était tranquille, on cherchait du taf, mais comme on touchait le chômage, bon, souvent, on était tranquille, on cherchait du taf tranquille, tu vois. Du coup, des fois, il passait une semaine chez moi. On jouait à la play tous les jours, tu vois. Et on avait trouvé Fallout. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien entre nous. Et genre, j'avais trouvé Fallout. Mais puis vas-y, on a testé. Plus pour les gens du Commonwealth, non? Et du coup, comme le jeu il est hyper long, peu importe. Non, voilà. Rien. Entendu. Du coup, des fois, le matin, je me levais. Lui, il reste du bail. Tu restes chez moi et vas-y, tranquille. Avance sur la partie, tu vois. Tu fais telle mission à tel endroit. Et, moi, je pars une ou deux heures. Je fais vite fait les bons intérims. Je reviens, t'as vu? Et du coup, on avait des armes normales et tout. Je reviens, je vois le mec, il a un pistolet laser de Marcy d'Alien. Il a une armure assistée légendaire. Il a. Qu'est-ce qu'il avait d'autre? Des armes spéciales, des trucs légendaires, je sais pas quoi, des trucs de ouf. Je me dis, wesh, je suis parti que 2 heures et 2-3 heures à faire les bonnes intérim. Je reviens et. Et assez rapide, ouais, c'est bien, ça, pour le coup, ça j'aime bien. C'est pas trop long, je sais que je vais pas passer 400 heures. Et si je passe 400 heures, c'est moi qui ai décidé de les passer les 400 heures, tu vois. Ça j'aime bien. Mais attends, du coup je finis. Du coup je le vois, il avait des trucs de ouf. Et gros, il avait construit une ville, un sanctuary. Un délire, tu vois, mais un truc de fou, tu vois. Des tourelles, des maisons. Il y avait carrément une chambre avec des dortoirs de ouf. Et... Je comprends pas, wesh, tu vois. C'est pas normal, tu vois. Je me dis, t'as fait quoi? Comment ça, t'as tout ça, tu vois? Moi, au début, j'étais content. En mode, putain, t'as trouvé des trucs de ouf. Mais en même temps, je me disais, mais comment il a fait, tu vois? Et là, il m'explique. Et en fait, il a regardé sur internet tous les trucs sur internet. Armure légendaire, pistolet, les meilleurs pistolets du jeu. Un glitch avec le chien. En gros, il donne par exemple, je sais plus, je te dis une connerie.
Ah oui, il avait v'là la thune aussi parce qu'il faisait, il avait un glitch avec le chien. Il donnait par exemple un Fatman. Et il donnait un Fatman au chien. Il donnait un Fatman au chien et le chien il lui donnait deux Fatman. Ou un truc comme ça, tu vois. Et en gros, il faisait ça quand il lui donnait deux Fatman, le chien il lui donnait quatre Fatman. Et ainsi de suite. Et en gros, après, il y prenait. Il est part... Et comme il avait l'armure assistée légendaire, il avait des trucs améliorés. Bah, du coup, il pouvait porter je sais pas combien de Fatman. Du coup, après, il partait chez le vendeur. Et je sais plus c'était quoi. Il y avait un glitch aussi où il pouvait tout vendre d'un coup. Il pouvait tout vendre d'un coup. Du coup, bah, le mec il se retrouvait avec 50 000. Bah, est-ce que par exemple, ah oui, par exemple, il avait acheté le Bonga. Tu vois, le, l'arme à 15 000 et quelques là. Bah, moi, au début du jeu, on était même pas arrivé à Diamond City. Bah, moi, je voyais 15 000 et quelques le Bonga. J'étais en mode, mais c'est un truc de taré, c'est quoi ça? Ouais, je pense. En plus, comme toi au début, tu vois, par exemple, t'as une fourchette qui coûte 10, une fourchette qui coûte 1, l'autre qui coûte 50. T'es en mode, mais je lâcherais, c'est mort pour aller à, au Bonga, tu vois. Et genre, ouais, il avait des trucs comme ça. Oh, salut Lunar was here. Pour le follow, je sais pas si c'était un follow bot. Alors, quoi ça arrive? Paladin Dance. Ah, mais... L'amour du Paladin Dance. Alors, oh, mais bon, t'as joué normal, mais lui il avait tous les trucs. En fait, il regardait sur internet tous les glitches, les trucs pour voir les meilleurs quoi. Il est vraiment impressionnant. Il a l'air tellement super. Et ça, du coup, bah moi j'aimais bien en fait le. Moi, je sais ce que je kiffe dans Fallout. C'est que c'est un peu même si à un moment donné t'as des pas plein moment je pensais avoir des bonnes armes et au final j'ai fait une quête avec justement avec Nick Valentine où je suis parti dans des trucs dans des endroits un peu bizarres pour trouver des holobandes. Je sais pas si tu l'as fait ça. Je sais que vous avez hâte de sauter dans une armure assistée ou pour trouver des trucs comme ça. Au final je suis tombé contre un roi fangeux. Des pillards en armure, un décorcheur, en même pas une demi-heure, tout ça, je te dis, en une demi-heure. Ouais, Tessa, une meuf en armure, des trucs de ouf, tu vois. Et au final, je me suis dit, au final, je suis pas. Ah non, non, je pars sans vous, t'es malade, toi, Mitara. Je vais continuer sans vous pour le moment. Je viendrai vous chercher plus tard. Comme vous voudrez. Si vous me cherchez. Je serai à la cantine. Du coup, il se disait. Du coup, là, par exemple, là, en vrai, je me rends compte qu'en fait, je pensais avoir des armes de ouf. Et au final, il y a encore de quoi améliorer, tu vois. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que t'as tout le temps un peu de délire en mode, faut que tu fais avec ce que t'as, quoi. Faut que tu fais avec ce que t'as, toi, faut que tu essayes d'améliorer, mais en gros, t'es jamais au top du top, on va dire, tu vois. À part peut-être à la fin du jeu, ou si vraiment t'as bien cherché de ouf, enfin, t'as compris, quoi. Enfin, t'as compris. Et du coup, moi, j'aime bien ce délire en mode, t'es un peu débrouillard, quoi. Sauf que là, quand je suis revenu, vas-y, il m'avait tout. Bah, en gros, bah, j'avais argent illimité. Bah, du coup, il y a plus de délire en mode ah, tiens, cette arme là, ah, j'aimerais bien l'avoir. Et bah, vas-y, je vais essayer d'économiser. Tu vois, même par exemple, ah, cette armure là, elle est bien. Et vas-y, j'ai envie d'économiser pour cette arme là, par exemple, tu vois. Et quand t'as cette arme, bon, des fois, elle peut être nulle, tu vois. Au final, tu te dis, mais quand si elle, si tu te rends compte qu'en fait, l'arme que t'as économisé pendant longtemps, t'as cherché des trucs, tu t'es fait chier à faire des allers-retours pour revendre et tout. Et tu l'as, t'es grave content, tu vois. Tu te dis, mais en fait, j'ai step up de ouf, tu vois. J'ai glow up carrément, tu vois. Tu te dis, ah, ça y est, au début, c'était un galaxie avec les armes comme ça. Et là, maintenant, je suis là, tu vois. J'ai en niveau arme, tu vois. Et tu kiffes, tu t'améliores, tout ça, c'est stylé, tu vois. Et là, quand j'étais revenu, vas-y, il m'avait niqué ma partie. J'étais dégoûté en vrai. Hein. J'étais censé faire mon rapport il y a 10 minutes. Et du coup, vas-y, j'avais arrêté le jeu, ça m'avait gavé. La prochaine fois, évite peut-être de te frayer un chemin à coups de pied au milieu des fangeux. C'est bon. Parfait. Ouais, mais du coup, le problème c'est que c'était la première fois que j'y jouais au jeu. Par exemple, là, quand j'ai commencé le jeu, je suis sorti de l'abri jusqu'à Diamond City. Hein, je te parle, hein, jusqu'à même pas. Jusqu'à qu'on rencontre dans son bureau Nick Valentine. On était rendu là, nous, avec mon pote. Hein. Parce que nous, en fait, on avait grave exploré. On avait pas trop fait la quête principale, tu vois. On avait grave exploré et tout. On avait kiffé, tu vois. Et du coup, c'était pour ça, tu vois. Par exemple, on explorait. On est arrivé à peine au détective Valentine dans son bureau, tu vois. Non, on devait chercher Nick Valentine, t'as vu. On avait fait que le début. Mais c'est-à-dire que juste cette partie-là, quand moi je l'ai refait là, bah au final, c'était bien. C'était en mode c'était pas une découverte en mode putain, c'est quoi ce monde de taré? Oh, le monstre comme ça, c'était plus une redécouverte.
Du coup, j'étais en mode, ah ouais, c'est vrai, il y avait ça. Ah ouais, ce monstre-là. Ah ouais, et ça. Ah oui, le machin avec l'écorcheur. Du coup, au final, c'était pas en mode, wow, putain, tu vois, c'était pas autant. C'est comme tu fais un jeu, et 5 ans plus tard, tu refais le jeu. Bah, t'as vu, même si 5 ans plus tard, quand tu refais le jeu, tu kiffes de ouf. Bah, t'as pas la même. T'es pas en mode découverte de ouf autant que la première fois, tu vois. Et moi, c'est vraiment le délire de la première fois quand tu kiffes, tu vois. T'es en mode, mais putain, c'est quoi ce monde de taré, wesh, tu vois. Et c'est que quand, après le bureau de Valentine, que j'étais en mode, que j'ai redécouvert ce sentiment, tu vois. Où j'étais en mode, mais c'est quoi ce truc de ouf. Ah ouais, ça. Ah ouais, si. Ah ouais, ça et machin, tu vois ce que je veux dire. Du coup, après, ça va, comme je t'ai dit. J'ai fait que le jusqu'au truc de Valentine, donc on va dire ça va. Mais par exemple, si je trouve le truc alien, bah je me dirais ah ouais, c'est prendre plein, tu vois. Maintenant, j'ai jamais découvert l'alien, mais je sais qu'il y a une arme alien, je sais qu'il y a une armure légendaire, je sais qu'il y a des trucs comme, tu vois. Alors qu'un jour, par exemple, admettons, par exemple, je sais que le tu vois, il m'avait raconté, tu vas à un endroit et tu vois une soucoupe, je sais pas si je te spoil, hein. Est-ce que tu connais l'alien ou pas, toi? Le délire de l'alien ou pas? Ah, putain! Ne vous en faites pas. Je finirai par... Ah merde, tu veux que je te raconte ou pas? Est-ce que tu veux que je te raconte vite fait ou pas? Ou alors c'est du spoil? Oh, un chat! Ah, voilà enfin. Parfait. Posez les livres où vous voulez. Je verrai ça dès que j'aurai le temps. Ah ouais, je te raconte quand même? Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. En gros, pour l'arme alien, il faut que tu ailles à un certain endroit, à une certaine heure. Et il y a un vaisseau spatial, un truc de ouf, qui passe devant, en fait. Qui passe au-dessus de toi. Du coup, toi, tu regardes, et en fait, le vaisseau, quand il passe devant toi, en fait, il va pour s'écraser, en fait. Maxon m'a dit de faire la... Il va pour s'écraser, en fait. Et du coup, il y a une fumée. En fait, quand il passe devant toi, il a pris feu. Il passe devant toi et il va pour s'écraser, en fait. Du coup, quand il s'écrase, il y a une explosion. Du coup, t'as de la fumée et t'as une explosion. Du coup, tu suis la fumée. Du coup, faut que tu sois à une certaine heure, à un certain endroit pour voir ça, t'as vu. Du coup, t'as la fumée, t'as l'explosion et tu dois suivre la fumée. Tu dois suivre la fumée. Du coup, tu suis la fumée, t'arrives à moitié à un truc explosé, de la fumée. Tu vas au vaisseau spatial, voilà. Vas-y, attends. Si vous avez besoin de mon aide, il suffit de demander. J'ignorais que ce genre de travail pouvait vous intéresser, chevalier. Attends, je sais pas ce qu'il raconte, lui, là. Du coup, t'arrives là-bas, t'as le vaisseau, et tu vois du sang vert, en fait, le sang de l'alien. Bref. Tu le suis, et t'as de la... En gros, t'as une caverne, tu vas dedans, et en fait, l'alien, il s'est caché dedans. Et en fait, tu le vois, l'alien, en fait, en gros, l'alien, il est au fond de la caverne, il est comme ça. Il est comme ça, il y a du sang vert partout. En fait, en gros, il est blessé. Chevalier. En gros, ce que tu dois faire, c'est que tu dois tuer l'alien. Tu dois tuer l'alien et en gros, bah, tu prends son arme, en fait. Poche à perfusion. Et du coup, c'est ça, en fait. C'est comme ça que tu la récupères. Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous apprendre. Oh, attends, qu'est-ce qu'il me raconte, du coup? Mais... Ah oh, putain, la vache. Mais attends, donne-moi le steam pack, ta race, là. Il veut pas me le donner, son steam pack, là. Ah ouais, non, mais il y a un truc comme ça. Mais du coup, tu vois, je le sais, alors que... À tes souhaits, ouais. Ah, merci. Mais tu vois, ça, du coup, je suis un peu... Je me suis fait niquer un peu, tu vois. Après, tu vois, je me suis fait un peu niquer, du coup. Et tu vois, je le sais, mais... J'aurais préféré pas le savoir, qu'on va dire. Ou alors de découvrir un truc de ouf, tu vois. Ah non, je peux la prendre, là. L'armure, là. Ah, du coup, attends. Genre, l'armure, je peux la prendre, là. Est-ce que je peux y aller chez moi? À partir de cet endroit. Merde. Et comment je fais pour partir, là? Attends, je peux la carotte, l'armure, ou... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, par contre, ce que je vais faire, je vais pas faire une ville, un sanctuaire. Moi, du coup, j'ai acheté une maison. J'ai acheté une maison à... Mais non, ta gueule.
peux pas prendre cette armure là? Comment ça je peux pas la prendre? Non. Piper n'a pas aimé. Oh putain, c'est vrai, je carotte des trucs là. Oh là 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 là. Ah bon? Ça va, c'est lourd alors. Un grand bêcher. Un grand bêcher implique de grandes responsabilités. Viande bouffi. Viande bouffi. Ok. Ah ouais, j'ai même pas capté, je suis en train de carotte des trucs. Tac. Mais non, pardon, 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 pardon. 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 Du coup, je disais, moi je veux pas faire une ville à Sanctuary. J'ai acheté une maison à Diamond City. Et du coup, en vrai, je préfère me faire une petite maison. Mais faire mes petits trucs. Ah, j'espère que je suis pas baisé. T'as vu les potes? Ok, c'est bon. Mais du coup, t'as pas fait le jeu, t'es en pleine découverte. Ouais. Ah, je suis dans... D'accord, putain, je suis chez le Maxon en fait. C'est bon là. Yes, let's go. Salut chevalier. Quartier de Pride Rain. Mais attends, j'ai pris l'armure là. Que puis-je pour vous, chevalier? Attends, laisse-moi tranquille. Mais attends, je peux pas prendre ces armures là. C'est incroyable ça. Mais attends, si je peux monter dedans là non? Ah, je peux pas monter dedans, voler. Ah ouais, putain, j'ai eu de la chenec alors. Ah ouais, je peux en avoir qu'une, ok, d'accord, c'est déjà bien. Hein. Parce que du coup, j'ai trois armures du coup. Ah, du coup, j'ai trois armures. Ouais. Ah, mais j'avais pas compris en fait. Parce que du coup, en fait, l'armure que je viens de prendre là, j'ai pas fait exprès. Hein. Enfin, j'ai pas fait exprès. Genre je suis venu là, j'ai dit bah tiens il y a une armure, hop je monte dedans tu vois. Et là j'avais pas fait gaffe que là c'était rouge en fait. Ok. Mais je peux y aller ou pas? Ah, c'est là mon pote. Approchez, chevalier. Oh putain. J'ai beau être enfermé dans cette... Ça n'a pas l'air très... Ah, ce qu'il disait justement, pour avoir une armure fallait être chevalier ou je sais pas quoi. Et haute sphère, si vous avez besoin... C'est bon à savoir. Allez, t'as combien en film, toi? Tu vends des trucs de ouf, toi? J'ai vu le Fatman derrière, là. Allez. J'ai toujours besoin de capsules. Vous avez besoin de... Allez. Mais me raconte pas ta vie, là, wesh. Connétable. Pensez à revenir me voir quand vous aurez vu le reste de l'équipage. Ah, putain, faut aller voir le reste de l'équipage, pardon, excusez-moi. Ah ouais, excusez-moi. Par contre, je fais quand même pour me barrer, j'aimerais bien mettre mon armure là-bas, moi, chez moi, là. Comment je fais pour sortir d'ici, là? J'ai envie de sécuriser mon armure, là. C'est peur comme la carotte, je sais pas pourquoi. Allez, là, ouais, je le skip pack, là. Comment je la mets? Ouais. Faudra voir ça. Vas-y, je veux sortir, moi, laissez-moi partir, là. Comment je fais? Faut descendre, peut-être? Mais ouais, franchement, le jeu... Pourtant, je suis pas du tout open world. Hein. Moi, genre, par exemple... comment il s'appelle? Pardon.
Treehouse. Par contre, par exemple, moi, Days Gone, ou par exemple, Horizon Zero Dawn, ah, ils m'ont saoulé. Ils m'ont saoulé. Je sais pas pourquoi. Ils m'ont gavé. Salut, Titim, bien ou quoi? Moi, genre, je sais pas, Fallout. Voilà, c'est ça, ouais. Par exemple, moi, Fallout, je sais pas, je kiffe l'open world. Je kiffe le délire en mode où... ou genre, je sais pas comment te dire. Genre, je sais pas. Tu sais, c'est un peu... bah, tu sais, c'est post-apocalyptique. Et genre, tu sais, de la... ça peut te sauter à la gueule n'importe où, n'importe quand. Tu vois ce que je veux dire? Ah, après, jeu préféré, il y en a plein. Mais c'est un de mes... C'est... En termes d'open world, c'est un de mes jeux préférés. Franchement. Bonne nouvelle, tu veux dire. Ouais, j'ai Black Ops 3 avec tous les DLC. Ah, t'as les modes zombies. Ça, faudrait que j'en fasse du mode zombie. Faut que je me cale ça à un moment donné. T'as vu, du coup, Yaya. Là, du coup, moi, le Tour Sanctuary. En vrai, je préfère limite m'aménager mon appart, là. Tu vois. Voilà, j'ai mes armures que j'ai trouvées. Que j'ai eu de la chance de trouver. Attendez là. Okay. Allez, y arriver, bordel. Hein. Restez en position. Allez là-bas. Ça marche. Allez là-bas. Ouais. Putain, mais elle a plus trop avancé maintenant. Mais là, du coup, j'ai une bonne armure. Et bon, moi, je sais que je suis con. Voilà. Mais moi je sais que je suis con. Et il y a un truc que je fais dans tous les jeux. C'est que quand j'ai un truc de ouf, comme ça là, je l'utilise que au dernier moment. Et comme le dernier moment, souvent, bah c'est jamais. Ah oui, du coup, t'as vu, j'ai ça moi comme arme. Par exemple, j'ai ça moi là-dedans. Par exemple, des Fatman, des missiles, j'en ai trouvé plein. Tu vois, j'ai le Fatman, grenade Nuka, l'autorité des justes. Ouais, c'est plus grand. Bah après, ça dépend. Ça se trouve, en vrai, quand j'aurai amélioré mon appart, je dirais putain, en fait, c'est trop petit. J'aimerais bien des trucs de ouf, tu vois. Donc après, j'irai peut-être à Sanctuary. Mais tu sais, en vrai, un petit truc comme ça, ça me suffit, en vrai. Tu vois, j'ai les lance-missiles, j'en ai trouvé plein. Fatman, j'en ai trouvé plein. Une capsule, un minigun, c'est le minigun du début, ça. Le plasma, je sais pas à quoi trop et quoi il sert. La carabine, fusil d'assaut. J'ai pas de balles, couteau de combat, fusil de précision, l'éventreur que je garde, on sait jamais. Uniforme de chasseur, le pointé ça, je vois pas trop à quoi ça sert. Un collier de chien au cas où je veux prendre le chien. Et les alliances que j'ai gardées. Bric à brac. Ah tiens, je mets tout ça là, hop là. Oh non, 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 qu'est-ce que t'as fait, frérot? Fusil, hein? Des modes? Fusil à baïonnette? Qu'est-ce que c'est cette connerie? C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça moi. C'en est des modes? Ah d'accord. Ok. Bon moi du coup j'ai mon armure. Elle est chez moi. En vrai, si tu as des armes en double. Ah, j'avoue que ça peut être pas mal aussi. Ah, mais du coup, par exemple, j'ai pensé à un truc aussi. Je viens juste de penser tout à l'heure en cherchant Piper, justement. J'ai vu que, par exemple, les maisons à Sanctuary, je les ai pas encore recyclées. Du coup, en vrai, j'ai encore plein de matériaux à gratter, en fait. Je sais que avec mon pote, on avait fait ça aussi au début. Du coup, faudra réfléchir à ça, ouais. Mais bon, vas-y, attends, faut qu'on se fasse une petite mission, là. Qu'est-ce qu'on peut faire, là, wesh? Allez voir... Ouais, je viens de capter, je savais pas, tu vois. Hmm.
Bon, vas-y, go, hein. Contrat. Là, on a rien foutu, hein. J'ai rien branlé, hein. J'ai rien foutu. Et du coup, Titine, tu joues au mode zombie, toi? Ouh! Putain. Oh, j'ai rien foutu, hein. J'ai commencé à 16h, là. Non, mais c'est abusé, hein. J'ai rien branlé, wesh. J'ai rien foutu. Mais ouais, Fallout. Niveau open world, c'est mon jeu préféré. Au niveau open world, après j'ai plein de jeux. Par exemple, j'ai Evil Within que je fais ce soir. Qui est incroyable aussi. Ah bah là, je viens juste de le voir, hein. J'ai jamais fait gaffe. Hein. Du coup. Faut que je passe là. Non. Bah attends. Ça, je l'ai pris. Bien joué à moi. Bien joué à moi. Bah là, je viens juste de le voir, le mode. Hein. Je savais même pas que c'était là. Hein. Ah, j'ai pas fait gaffe, le poids. Putain, merde. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Faut que je voie. Je vois, Donc, du coup, faut que je rencontre tous les... Oh, au final, j'ai même pas fait exprès. Ah oui, ouais, t'inquiète, hein. Content de vous voir. T'as quoi, toi, donné, là? Recommencez votre examen médical. Buff out. Impact. Radic. Attends. Oui. D'accord. Allez-y. Très bien. Ah oui, je garde toujours une tenue quand je sais que je vais parler avec plein de personnages. Je vous demanderai d'y répondre. Je garde une tenue qui me rajoute du charisme. Première question. Lorsque vous étiez enfant, avez-vous subi une exposition prolongée aux radiations? Avant la guerre, sélection de Voltec. Il n'y avait pas trop de radiation dans l'air avant les bombes. Avant les bombes? Que voulez-vous dire? Laissez-moi consulter mes notes. Vous avez vécu dans un abri? Dans ce cas, vous êtes sûrement en meilleure santé que n'importe qui d'autre à bord. Et ouais, mon pote. Désolé de ne pas avoir vu ce détail dans votre dossier, mais je dois tout de même vous poser toutes les questions. Allez, bombarde. Bien, deuxième question. Avez-vous déjà contracté une maladie contagieuse ou été en contact avec une personne touchée? Ça compte le Covid ou pas? Je sais pas si je la prends, je dois prendre comment la question là. Jamais été malade, c'est une blague? It's a joke? J'ai jamais été gravement malade de ma vie. Bien, bien. Troisième question. Et je vous demanderai de me répondre honnêtement. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec des représentants d'une espèce considérée comme non humaine? Ça m'arrive souvent. Jamais? Non, jamais. Très bien. Dernière question. Cela vous poserait-il un problème d'abattre les ennemis de la confrérie, qu'il s'agisse d'humains, d'individus autrefois humains ou de machines? Seulement pour me défendre, question morale. Seulement pour me défendre. Ma vie est en danger. Je fais le nécessaire pour me défendre. C'est une réponse acceptable. C'est même la plus répandue. Excellent. Je pense avoir toutes les informations dont j'ai besoin. Je ne vois aucune raison de vous empêcher de rejoindre nos... Ah d'accord. Si jamais vous avez besoin d'assistance médicale, faites-le moi savoir. Ouais, ok, d'accord, hein, super. Hein? Tu vas pas sauter tout ce qui bouge? Bah oui, non, mais il est fou, lui. Non, mais c'est même pas ça qui me fait rire, hein. C'est genre, lui, il pose la question en mode... ouais, il pose des questions pour savoir si tu peux intégrer le truc. Et lui, ce qu'il veut savoir, c'est si t'es déjà Ken avec des ghouls. À quoi est-ce que vous vous attendiez? Nos dernières recrues en date étaient des habitants des terres désolées. Crasseux, mal en point et désespérés. Ils cherchaient juste un moyen d'échapper à leurs conditions. Mais vous, quelque chose me dit que vous êtes là pour une raison bien précise. Bref, comme vous êtes là pour me rencontrer, débarrassons-nous des formalités. Je m'appelle Ingram, et cette charmante fosse pleine de graisse, c'est l'endroit où vous avez le plus de chances de me trouver.
Tes potes si avec des ghouls ? Ah bon ? Est trop serré à l'entrejambe, si le prix d'Ouen est sur le point de s'écraser ou si Ah moi je sais que j'ai ramené Billy. C'est moi. Le petit Billy. Chez ses parents. On dirait que vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. C'est le moins qu'on puisse Mais après, sinon, je suis pas pote avec des ghouls. Chaque jour, il y a au moins 5 ou 6 trucs qui cassent sur ce dirigeable. Et avec mon harnachement, je ne suis plus aussi alerte qu'avant. Alors, forcément, le travail a tendance à s'accumuler. Perte de vos jambes. Pourtant, vous avez l'air de vous déplacer très rapidement. Quoi ? Pourquoi t'as tué ses parents ? Bref, je suis sûr que vous êtes là parce que vous... Pourquoi t'as tué ses parents ? J'ai une P60 plutôt correcte dans le hangar 3. Elle est à vous. Le servomoteur de la jambe gauche déconne un peu, mais elle devrait vous protéger des sales bêtes. Et si vous avez besoin de la réparer, n'hésitez pas. Je sais plus en plus ce qu'il me dit. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me remettre au boulot. C'était drôle, ah ouais, oh, putain, quel enfoiré. Ah ouais, putain, c'est grave, wesh. Ah non, je voulais pas les tuer, moi. N'oubliez pas. En service, allez, 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 allez. Oh, damn, darn you. Ah non, j'ai laissé en vie moi. L'aîné Max. Oui. L'aîné Max. Hop là. Ah ouais, quel enfoiré, wesh. Il est où Maxon? Il est même pas sérieux dans son bureau ce canard. Ah ouais, ça se met bien, hein. Un déséquilibre de poussée au niveau des propulseurs. Rééquilibrage en cours. Non, ouais, j'ai pas trop fait de dinguerie, moi, en vrai. Merde, j'ai pris du vent, putain. Merde, c'est j'ai pris un verre. Oh. Je peux juste prendre de l'eau. Oh. Bref, au bout de combat. Il est son bureau, le con, hein. Ah, putain, j'ai pas pris ça, moi. Si, je l'ai pris. Non, là, 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 là. Ah, mais même, il fallait qu'ils vivent heureux, wesh, les pauvres. Ils sont morts, les cons. Moi, j'ai pas sauvé leur. Par contre, ce putain de Billy de merde, là. Hein. À un moment, j'arrive à la maison. Tu vois, j'ai les parents, j'ai la maison. Je me dis, bah, c'est bon, t'as vu, j'ai fini la mission. Je me retourne, hein. Je vois, y a pas Billy. Je me dis, bah, il est où ce con de Billy de merde, là? De quoi vous Attends, bah j'aurais bien voulu le tuer ce con là. Voyons ce que vous avez. Comment il s'appelle? Du coup, emploi. J'arrive à la maison, je vois les parents, je me dis c'est bon, c'est un canon, c'est bon, j'ai réussi, tu vois. Et je me retourne et tout, je le vois pas ce connard, tu vois. Mais un lance-missile baïonnette, me foutez de ma gueule. Vous. Non, encore pire, il s'est bloqué dans une. Il s'était bloqué dans une. Comment ça s'appelle? Dans une clôture. C'est-à-dire, il courait comme ça. Sauf qu'il y avait la clôture, il courait comme ça. Et j'étais obligé d'aller le chercher et de charger ma partie même carrément. Parce que ce con-là, il était bloqué. Et j'étais dégoûté, oh, il m'a foutu le seum. Hein. Oh, oh, uniforme de la confrérie. Oh la vache. Oh putain, mais attends, je suis... T'as vu, j'ai 17 000 en plus, moi. En vrai, je peux grave m'acheter un truc de... Comme ça en plus, hein, la vérité, ça coûte moins cher qu'une... Mais attends, je comprends même pas. Une armure de truc assisté. Par exemple, là, je regarde. La jambière gauche... Mais non, mais moi ce clochard, il est resté bloqué dans la clôture, ce chien là. Là, je comprends pas, la jambière gauche 345 et l'autre à Diamond City me vend des trucs genre gauche, mais pour le humain, mais à 3000. Aucune logique ce bâtard. Casse d'armure de combat, ça c'est pas mal en vrai. Hein. Oh là 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 là. D'armure de combat, c'est pas mal ça. Hein. Confrérie, brassard droit d'armure. Ça c'est pas mal hein. Châssis d'armure assistée, je sais pas ce que c'est, ça. Ah! Ouais, j'utiliserai plus tard. De toute façon, pour le moment, j'ai dit, j'utiliserai pas trop le. Mais je suis un peu con. La consommation des points d'action. Uniforme de la confrérie. Moi, je te dis, je suis un peu con. J'aime bien conserver les trucs. Ça, par contre, ça me chauffe bien, ça, en vrai, de les acheter. 10, 10, 15. 15 15 15 ok. Vas-y attends mon pote. Alors attends, on va peut-être se
se remettre les stats là. Stats là, tu connais. Tenue, chapeau. Ah merde. Brassard d'armure gauche. J'avais quoi, casque synthétique, je crois. Franchement, je sais pas, hein, j'ai pas trop utilisé moi en vrai. Hein. C'est un peu ouf. Hein. Armure, jambière droite d'armure de combat, mais c'est nul en fait ça. Plastron d'armure 15, ah ouais. Combinaison d'abri. Attends, il manque un truc là, non ? Casque synthétique, voilà, ça je suis au top là. Jambière gauche. Jambière droite. Ça fait 9, 9, 8, 8. Mais attends, en vrai, je peux grave me changer. En vrai. Excusez-moi, connétable Tigan. Je peux vous connétable aider. Connétable Tigan. Je vais jeter un coup d'œil. Troc. Mes tenues. Par exemple, mon plastron d'armure. Ça me donne 15, 15, 15. Ah bon? Bah y'a quoi Diamond City? Le mec il me vend des trucs à 3000 wesh. Par exemple plastron de combat 15-15 et là 15-15-15. Ah non 10 ouais 15-15-15. Et ça me protège des radiations, c'est encore mieux. Là le casque 10-10-15. Bah ouais largement mieux wesh. En combinaison de l'abri, je l'aime. Jambière gauche. T'as quoi toi? Ah non, c'est des brassards, putain. Il manque des brassards, ce con. Plastron de combat. 2000, oh là là. Laser canon automatique. Laser Gatling. Ah bon, on verra. Je m'offre un steak haché géant. Où les gardes de Diamond City se font taper dessus et du coup tu peux récupérer leur armure sur leur cadavre. Ah bon? Or, cette armure va me rendre un endroit de l'armure de Diamond City, tu veux dire? Allez voir les Nematons. Putain, mais où ce connard là? Il est là-bas. Allons-y. Véritable mine de technologie attend d'être découverte. Mais non, putain, mais il est de l'autre côté, non? Mais il est où ce connard? L'armure des gardes. Rejoindre notre cause est la meilleure décision que vous ayez prise de votre vie. Bah, je crois que je l'avais pris déjà. Hein. Après en armure j'étais bien aussi, hein. J'avais le truc du chasseur aussi, non je suis bien. Hein. Après je peux améliorer toujours mais bon. On verra après. Faut que j'aille voir ce connard de Maxon, il est où là? Oh Maxon là, enculé, t'es où là? Attends mais ça c'est pas possible, je l'ai mis là, le truc là. Ah mais il est juste en bas, mais il se fout de ma gueule lui. Attends je fouille là. Difficile de crocheter ça. Il est relou lui. Putain, j'ai rien foutu. Oh là là, j'ai rien foutu aujourd'hui. Oh, c'est grave, hein. J'aurais rien foutu. Mais attends, Maxon, ta grand-mère, t'es où là? Elle est là. C'est bon. Il y a quoi ici? Maintenant que vous avez pu découvrir le prix de Wen, qu'en pensez-vous, chevalier? Il est vraiment impressionnant. Oui. C'est une merveille de technologie, n'est-ce pas? Il est vraiment impressionnant. Les plus brillants esprits de la confrérie ont mis 2 ans pour le concevoir. Si vous voulez mon avis, ça en valait la peine. Je ne vous le fais pas dire. Moi, je m'en fous. Hein. Ouais, ça... L'institut n'a pas la main. Je m'en bats les couilles, en fait. Ça n'a rien à foutre. Allez, allez, je dispose. Hop là. Allez, dégage, Piper. Là. Oh, t'as mis 45 minutes à venir. Ouais, c'est bon, tu vas me casser les couilles. Là. Piper, là. L'armure des gardes de Diamond City, bah ils sont vite fait. Ça c'est des armures de... Ouais, je sais même plus. Denver, le dernier dinosaure. Ça c'est
Ça, par contre, c'est long. Hein. Bonjour, 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 du step. Je ne peux pas vous parler comme maintenant, j'ai trop de sujets de préoccupation. Quoi ? Ené Maxon, j'ai des plans pour fabriquer un intercepteur de signal qui devrait me permettre d'entrer dans l'institut. C'est une proposition des plus singulières auxquelles je vais sérieusement réfléchir. Toutefois, avant de permettre à un des soldats d'entrer dans l'institut, il convient de faire ses propositions. Attends, je vais mettre ma tenue, on ne sait jamais. Hein. C'est une tenue de baseballeur. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une tenue de baseballeur. Je comprends. Je perçois votre déception, mais comprenez ma position. Je refuse de risquer la vie de mes soldats sur quelques plans rudimentaires. Laissez-nous le temps de vérifier les informations que vous avez obtenues. Ensuite, quand le moment sera venu, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour fabriquer cet appareil. Vous avez ma parole. Vous pouvez disposer, chevalier. Monsieur ? Maintenant que vous avez fait connaissance avec l'équipage du Prilwen, je pense qu'il est temps de commencer votre prochaine mission. D'accord. Bien, entrons dans le vif du sujet. Regardez là-bas. Vous voyez ? C'est Fort Strong, un nid de super mutants. Ces aberrations de la nature sont si proches que je peux presque les sentir. Ça me donne la nausée. Pour ne rien arranger, ils ont mis la main sur un très gros stock de munitions de Fatman. Nous devons nous en emparer. Je veux que vous alliez sur place, que vous éliminiez tout ce qui bouge et que vous récupériez les munitions. C'est compris ? C'est comme si c'était fait. Je comprends que vous ayez envie d'attaquer. Ouais, un stylé ça. Mais un peu de patience. Piper a aimé. T'aimes ça, Piper. Arracher des charges nucléaires des mains des super mutants ? Ça va plaire à mes lecteurs, ça. Un vertiptère lourdement armé a été préparé. Il n'attend plus que vous. Prenez-le. Et allez montrer aux mutants de Force Strong que la confrérie n'est pas là pour plaisanter. Rompez. Allez hop. Ah, ça suffit les conneries. Hein. Allez hop, va voir, ça 209, ok c'est bon. Vas-y, c'est où du coup là ? Oh Bernard ! Compris là. Ah ouais ? J'ai pas compris là, monsieur. Monsieur, j'ai pas compris là, moi. Moi j'ai pas compris là. Vas-y frère. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'un marais. Montez à bord du V-Tipper. T'as bugué ? Non, arrête tes conneries, non. Ça a bugué là ? Là, c'est un bug ? Putain, fais chier, j'en ai marre. Putain. En fait, si je sors et je re-rentre. Oh la vache. Y'a rien qui va. Hein. Y'a rien qui va. Oh yes! Tu pourrais me plaire finalement. Allez, Tipper! On s'envoie en l'air! Oh là là, on était à bord du truc là, oh là! Go, go, Power Ranger! On avance ou quoi là? Ah ouais, t'inquiète hein. Oh t'inquiète, même si j'avais pas de munitions infinies, c'est pas moi qui paye, hein. Rien à foutre moi. C'est pas moi qui paye hein.
Wow, behemoth, ouais. Ah ouais, elle est tombée. J'aurais plus jamais... Ah ouais, c'est mort en fait. Moi je pensais qu'on... Ah ouais, j'aurais plus jamais gagné à pied en fait. Hein. Oh là 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 là, Gotaga hein. Une dinguerie hein. Bon allez, ramenez vos fesses là. Là c'est bon. Ouais t'inquiète. X. C'était X. Eh. Oh bah alors là, si on trouve pas des trucs de ouf. Une bielle, attends, faut que j'aille voir là-bas. Alors là, si on trouve pas des trucs de ouf. Ok. Là, franchement, si on repart pas avec un Fat Man, je pète les plombs. Bah putain, y'a pas de porte chez eux en fait. Tu rentres par où, frérot? Par la fenêtre? Ils ont pas l'air très protégeurs. Peut-être y'a rien à fouiller, bon bref, on va là-bas. Ah ouais? Oh! Là, je sais qu'il y a des munitions de Batman. Après, est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pour lui? Déjà, Behemoth va y avoir des trucs de ouf sur lui, là, je pense. Sur la cartouche, déjà, ça va me gratter grave des munitions, déjà. On va se mettre bien sur ça. J'ai fouillé d'abord le côté droit. Tu vois, par exemple, le délire de fouiller. Quoi, ferme ta gueule, toi. Tu vois, le délire de fouiller, je kiffe. C'est trop bien, je sais pas pourquoi. Mais ouais, je sais pas, j'aime trop fouiller. Bon, attends, tu m'as saoulé là. Soin. Je vais pas me prendre la tête. Tac, tac, allez hop. Et hop, comme ça, c'est fait. Mais déjà vu qu'on a utilisé minigun. Ouais, c'est bon, j'ai pris Radix et Radaway, je crois. Comme ça, au moins, c'est fait, je suis tranquille. Ok. Pour le moment, il n'y a rien, il n'y a que des ruines. que des ruines pour le moment. Pour le moment, ça pue la merde. Quoi ? Des fleurs sauvages, allez. Allez, let's go. Et dossier technique, c'est quoi?
Oh, il se met tellement bien composé là. Canapé. Ça a quoi les dossiers techniques? Oh, j'ai pris un peu plus par là du coup. Bah attends, il y a que dalle dans son putain de force tronc de merde là. C'est des clochards en fait là-dedans. Ils ont que dalle. Ah ouais? Oh. Moi, si je le prendrai, si je le trouve. Si j'en trouve, enfin si je les retrouve là, parce que du coup je sais même pas où ils étaient. C'est pas grave. Mais y'a que ça en fait, c'est des chiens. Là je m'attendais tellement à un truc de ouf. Je me dis une ville entière wesh à fouiller, ça va être incroyable et en fait c'est plus la merde. Y'a que dalle. Oh bien. Y'a que de la merde. Bah tous et désolé. tac, donc cette maison là, et après on monte en haut. Putain sérieux, y'a rien wesh. Ah non mais y'a rien wesh, c'est nul. Non c'est nul, y'a rien là. Je m'attendais à un truc de ouf. Ah, oh, je suis deg, je suis un peu déçu là. Je suis un peu décevant. Bon, t'es... Et Behemoth, il est où ce connard Behemoth là? Il était là, je crois, non? Attends, Behemoth, wesh, il... Bah, je l'ai pas trouvé encore la Behemoth. Ok. Boulet de canon. Je suis sûr que ça pue la merde. Ça pèse une tonne. Boulet de canon. Ça va, c'est des munitions. Salut BeatUworld, ça va ou quoi? Quoi de neuf? Et Behemoth, il est où ce connard là? Et il s'est enfui ou quoi? Ouais, attends, mais moi je l'ai pas croisé. Pourquoi je l'ai pas croisé ce chien? Attends, il, je l'ai loupé la Behemoth là, non? Je l'ai niqué où moi Behemoth? Il était où? Non, il peut. Genre Behemoth il m'a rien donné. C'est impossible. Moi je suis arrivé de là. Tac. Il est mort vers où ce con là? Un camion portatif, oh, ok d'accord. Et ça me dit toujours pas où est-ce qu'il est Behemoth hein. Ouais, tranquille hein. Bon, je me suis levé à quelle heure? Je me suis levé à 15h50. Super, je suis encore couché à 7h du mat. Comme un clochard. Bah bon, il est où Behemoth vite fait là, ce clochard là, il est où? Bah il est relou lui, je pensais qu'il avait des trucs de ouf ce chien. Peut-être qu'il est rentré, il est pas mort. Ah ouais, mais laisse tomber, je me suis couché encore à 8h du matin. Et vas-y, je voulais streamer du FIFA avant Fallout. Et vas-y, je me suis levé à 15h comme un clochard, la vérité. Quel foutoir. Je peux faire quelque chose? N'hésitez pas. Hey. Allez-y, parlez. Vous avez un creux? Tenez, ça va. Ouais, ils m'ont sucré les bars. Est-ce que tout se passe bien entre nous? J'hésite encore.
Prouvez-moi que vous voulez vraiment améliorer la vie des gens du Commonwealth, et on en parlera. Un avis sur la situation ? S'il y a quelque chose à découvrir ici, on le trouvera. Ok, bébé. C'est tout pour l'instant. D'accord. Bah, c'est bizarre, hein. Un massacreur mutant légendaire. Oh là là, mais j'ai quoi comme arme là-dedans? J'ai que de la merde. Ah, attends, mon pote, j'ai que de la merde, moi. Je commence à avoir faim. Faire les popettes. Ah ouais? Pardon ? M'emmerde. Il m'emmerde à évoluer ce chien là. Merde, j'ai pris une psycho le chien. Brioche. Du vin. Bah non, c'est nul. Non, je le jette. Une vraie salope. Alors. Putain, il est relou. Bloqué là. Je te laisse, mais discuter avec toi était 20 plus haut. Je pense que je reviendrai la prochaine fois. Vas-y, ça marche, pas de problème. Merci d'être passé. Bonne soirée. N'hésite pas à passer ce soir. Je fais du Evil Within, c'est marrant aussi à faire. Oh là là, papa. Ok, bon, c'est bien au moins. Il est encore là, Titim ? Bon, il s'est barré, parti jouer à Call of. Bon, quand même, gros, c'est un peu chiant de faire. Oh là là. De la compagnie.
Et ben mon pote. Ok, cartouche. C'est qu'ils ont que des armes à verrou de merde à chaque fois. Un Steam Pack 2, c'est bon. Hop là. Et on est reparti comme un 40, c'est reparti. Voilà, ça m'a l'air tranquille, c'est bon, je crois qu'on a tous dégommé. Hein. Cartouche. Je crois que c'est bon, on a tous dégommé. Hein. Par contre, là, le behemoth, là, je comprends pas où il est, ce connard. Hein. Faut absolument qu'on le retrouve. Hein. Il a forcément des trucs légendaires ou une connerie comme ça. Hein. Tac. Novice. Ah, putain. Ah, putain, mais c'est grave. Ça y est. C'est quoi ça? Ouais. Quand vous vous déplacez furtivement. Oh là 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 là. Quel plaisir, mais quel plaisir. Oh là là. Oh là 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 là. Mine à plasma. Anti-blindage. Je prends tout, je m'en bats les couilles. Je prends tout. Je prends tout, c'est gratos, gratos. Oh là là, le petit. Oh le petit. Oh le petit coffre en mètre. Oh là là, le petit coffre. Oh le petit coffre en mètre. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que t'as dedans? Oh là là, tu me fais plaisir. Électroménatique, je sais même pas ce que c'est, mais je le prends, je m'en bats les couilles. Je le prends, je m'en bats les couilles, frère. Allez, je te fais la dent, je le laisse, ça y est. Bombe nucléaire, mais je le prends. Casse-toi. Déverrouiller novice encore. Oh là là, mais non, mais régalez-moi, mais régalez-moi. Ah putain. Hop. C'est bon. Tout ça pour revenir là, foutez de ma gueule là. Attends, j'ai loupé un truc alors. Attends, j'ai dû louper un truc alors. Je dois récupérer des trucs de Fatman, non? C'est pas ça? C'est pas ça la connerie? C'est pas ça l'histoire là? Moi je pense qu'à ma gueule, je fouille que pour moi, mais au moins il y a des. Il y a une mission, non? Non. Paquet de cigarettes, paquet de cigarettes. Hop là. Moi j'étais là. Moi je viens de là. J'ai fait comme ça. Ah bah oui, il y a un ascenseur. Excellent. Attends, quoi? Non, c'est nul. Hop. Attends, je vais vite faire là. Ok, il faut prendre l'ascenseur. Goûter le Lukaku là. Ah, c'est parti. Là, faut le retrouver ce connard behemoth là. Putain, comment ça se fait qu'il est mort, il a rien donné, je comprends pas. Mais c'est. Pourtant, il est balèze cet idiot, comment ça se fait? Comment j'ai pu le louper? C'est pas possible. Mais qui a pu faire un truc pareil? Calme-toi, Bébou. Ça va bien se passer. Y'a rien. Sérieux? Putain, je comprends pas. Ça me fume, ça. Des fois, ils mettent des trucs et putain, ils ont fait ce passage-là et y'a rien. Y'a toujours personne. Toujours personne, toujours établi d'armes, ok. Scalpel, ciseaux. Fourchette dans. En, dégage toi. Ok, là ça va porte. Il y avait une porte ici, c'est pour ça. Tac, je voulais revenir là. Tac, bien fouillé.
Miroir, que dalle. Regardez-moi tous ces joujoux high-tech. Que dalle. Que dalle. C'est super. C'est super. Je suis vraiment. Oh, l'eau purifiée. Vraiment super. Au sale, super, je regrette pas de venir. Hein. Personne? Oh. Hé, hey, il y a quelque chose là. Oh, il a Fatman le bâtard. Casse-toi, Piper, ta grand-mère aussi là! Ok, c'est bon, je pense que j'ai niqué. Oh, mais putain, ta grand-mère toi aussi là! Tu peux niquer sa mère, lui! Papa. Ah putain, c'est quoi ça? Lui sort lui! Putain, pas de comédie, c'est bon, tu vas régaler. Bon, elle pue la merde, mon ma mitraille. C'est une mini-esquive, genre. Tu peux pas le louper là quand même. La petite cartouche. Heureusement qu'il y a le truc. Hein. Oh la vache, il a failli me buter ce petit bâtard là. Pas de missile. Oh le petit bâtard, il a failli me baiser. Hein. Moins 400. Ouais, Piper, t'as failli t'en prendre une là. C'est plus jamais ça. Hein. Zone de Molotov, je l'ai dégommé. Dard de Scorpion, vas-y, fais voir. Attends, j'avance par là, mais j'aurais bien voulu fouiller quand même là-bas. Un ventilateur. T'inquiète mon pote, j'ai pas disparu. Casse-toi Piper, ça fait chier. Dites donc. C'est un lance-missile, c'est tout. Piper. Psst. Où ça? Tenez, jetez un œil. Échanger. Pistolet 10 mm. Tac. Un lance-missile, tac. Mine impulsion, tac. Mine à plasma, tac. Tube d'attache, tac. Tac. Plus votre santé est faible, plus votre résistance aux dégâts et l'énergie augmente. Ok. Plus la merde. Là. Doucement, Piper, doucement. Ça va bien se passer. Y'a que elle qui me fait des trucs bizarres à chaque fois, ouais, c'est bizarre. Le whisky, putain, j'ai pris du whisky là. Y'a pris du whisky, Oh, attends, y'a quoi là?
Zora Dawet, c'est bon ça. Terminal de l'équipe, mon balistique, hop là, c'est parti. Méta, hop là. Paquet de bac à essence, c'est bon ça. Paquet de cigarettes, c'est bien. Ampoule, chimie, buff out. Ouais, 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 c'est sympa, sympa. Bouge. Bouge. Ah. Vous avez gagné un niveau. Je sais pas où je dois aller. Je dois me barrer. Oh, ta grand-mère, toi aussi. Salut, Pelle, salut, Den. Regardez un peu cet endroit. On dirait que vous haïssez les super-mutants autant que moi. Pourquoi tant de haine envers les super-mutants ? Le mot « haine » est encore trop faible. Ces abominations sont l'illustration parfaite d'un triste penchant de l'humanité. Faire un pas hasardeux en avant pour revenir deux pas en arrière. Ça fait des années que je me bats contre ce fléau. Je commençais enfin à penser qu'on arriverait à les éradiquer. Mais voilà qu'on découvre les synthétiques. Ah, bien joué. Bienvenue en 2021 aussi. Avec le Covid. Imaginez les ravages. Après le... Comment il s'appelle déjà Ce serait la fin les nouvelles formes de Covid. Delta, je sais pas quoi, mais peut-être le coup de grâce pour l'humanité. Désolé. Je ne voulais pas vous ennuyer avec mes élucubrations. J'espère juste que vous comprenez l'importance de ce type de mission. Ne vous excusez pas. Ça me rappelle pourquoi je suis ici. Merci. Je suis content de voir que vous partagez mon sentiment. Enfin, n'y pensons plus. Tout ce qui compte pour le moment, c'est que la mission soit une réussite. Les ogives sont à nous. Vous devriez retourner à bord du Pridwen. Maxon attend certainement votre rapport avec impatience. Rompez. Bombardeux. Pour rendre hommage à tous les soldats. Comment ça, bombardeux? Ça va, nounours? Je t'ai pas revu? Enfin, je t'ai pas vu, si? T'as dit bonjour? Je suis un connard si je t'ai dit bonjour, si t'as dit bonjour et que je t'ai pas vu. Ah bah ouais mais gros aussi c'était un autre nom aussi. Pourquoi t'as un autre blaze, t'es bizarre. T'es toujours sur le même compte, t'as changé de pseudo. Ok d'accord. D'accord, ok ok. Bah c'est cool ça la vérité. Du coup, là, faut que... J'ai pas trouvé les ogives. J'ai trouvé le lance-missile, c'est bon, comme tu m'as dit. Faut qu'on trouve Behemoth, ce connard-là. T'es passé de Yaya à Nounours. Ça n'a rien à voir. Est-ce que t'es un petit peu... T'as un physique un peu rond. Et on trouve que t'es un peu comme un Nounours. Avec les meufs. Est-ce que c'est... Est-ce que j'ai bon ou pas? Non, rien à voir, ok. Juste nounours, quoi. J'aime bien des fois essayer de trouver le rapport entre les pseudos et les gens. Alors, j'aime trop chercher les pseudos des gens. Ok, je t'aime bien. Ouais, t'as le droit. Hein. Genre, par exemple, Yaya 47. Par exemple, t'aurais pu t'appeler Yanis. Par exemple, t'aurais pu t'appeler Yanis et venir du 47 par exemple. Et comme toi tu t'appelles Yanis, bah on t'appelle Yaya et comme tu viens du 47, bah ça marche, tu vois. Bah attends, faut que je le trouve. Oh oui! Behemoth! Behemoth! Oh là là, il est là, Behemoth! Ah putain, il est balèze, mais pas tant que ça en final. Viande d'écorcheur, oh là là, oh là là, la peau d'écorcheur, oh là là, bah 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 bah, main d'écorcheur 2, bah 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 bah. Oh la cartouche. Viande d'écorcheur, armure verrou. Anti-blindage. Ok mon pote, ok mon pote. En cuir. C'est nul.
en métal. C'est nul. C'est vrai que j'avais pas capté ça aussi. C'est vrai que des fois t'as des trucs qui peuvent être désappris. Anti-blindage. Pff, la merde. Ok, take my boy. Bon bah. Ouais, bon, on a trouvé un lance-missile, mais c'est pas la folie non plus, quoi. C'est pas. C'est pas se taper le cul par terre, quoi, si on peut dire ça comme ça. Mais du coup, cette zone-là, j'ai pas dû la fouiller alors. Ça, je l'ai fouillée cette zone, pourtant, ça me dit rien. Ah bah tiens, il est là, Michel aussi. Ah ouais? Et toi Discord, tu l'utilises avec tes potes? Non? Ou tu es sur un streamer ou un truc comme ça? Parce que souvent on m'a demandé de faire un Discord, mais je vois pas l'intérêt en fait. Je comprends pas l'intérêt de Discord. À part ouais, discuter avec tes potes, mais je veux dire... pour les streamers et viewers, je vois pas l'intérêt de Discord. Après, tu peux organiser des trucs et tout, mais des serveurs de... Ah! Bah dis-moi, tiens, dis-moi, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'être sur Discord? Qu'est-ce que t'aimes bien sur ces serveurs-là? C'est sûr, on m'a demandé un Discord, mais je vois pas l'intérêt, en fait. Moi je préfère limite aller sur Instagram, comme ça moi je poste mes dessins. Et comme ça si j'ai un problème de sur le stream ou un truc comme ça, bah je préviens sur en story quoi. Vous avez fait de l'excellent travail à Force Strong soldat. Ah ouais? Attends. Se faire des potes? Ah ouais, bah moi je suis pas sociable moi. Moi je suis pas sociable. Salut. Qu'est-ce que vous allez faire de Force Strong maintenant? Le paladin d'Aen supervise le transport des ogives Fatman sur le prix d'Wen. Elles nous fourniront un avantage offensif non négligeable. J'ai également ordonné à un détachement d'occuper le fort. Il nous servira de base avancée pour... Je t'en fais un Discord. De l'aéroport. Bah... Ouais, je sais pas. Vous nous avez permis de mettre la main sur un site stratégique très intéressant. En fait, c'est Discord, je vais pas dessus. Je sais pas, je veux pas... Ravi de vous l'entendre dire. D'autant que notre mission ici... Après ouais, c'est bien, c'est que les designs ils aiment bien Discord, mais ouais, je sais pas. Pour combattre l'institut. J'ai toujours à cœur de donner le meilleur équipement possible à mes soldats. Tenez, c'est pour vous. Ah. Les balises fumigènes. Oh, les balises fumigènes. Ah mais non, c'est de la merde. Besoin d'un transport aérien. Il suffit d'en lancer. Une fois à bord. OK. Plus de balises. M'aider à combattre, j'ai besoin de capsules. Ah ouais. La meilleure arme pour survivre ici. C'est un gros paquet de capsules. Un gros paquet de capsules. Les gènes sont normalement réservés à nos paladins. C'est une faveur que je vous fais à titre exceptionnel, soldat. Tâchez de l'apprécier à sa juste valeur. Comme vous vous en doutez, Force Strong n'était que la première étape de notre campagne de libération du Commonwealth. Ah ouais. Tâche autrement plus grande. Ça m'étonne. J'imagine que vous avez déjà compris que notre arrivée dans le Commonwealth n'a rien d'une coïncidence. Si nous sommes ici, c'est parce que les éclaireurs du paladin, d'après nos scribes, à la lumière de cette... Oh putain, autant les autres j'aimais bien, mais lui j'ai l'impression que ici il parle vraiment pour rien dire. Hein. Ouais, je sais, mais ouais, je m'en fous moi. Plan de Virgile. Regardez ces plans. Un scientifique du nom de Virgile m'a dit qu'il me permettrait d'entrer dans l'institut. Je pense que vous feriez mieux de montrer ces plans au connétable Ingram. Cela dit, je me réjouis que vous ayez choisi de fabriquer cet appareil avec notre confrère. J'ai l'impression qu'il parle beaucoup pour rien dire. Par curiosité. Je crois savoir qu'ils détiennent mon fils. L'institut se sert des faibles pour servir ses enfants. Par curiosité. Je vais prévenir le comme ça normal. De votre côté, rendez-vous à l'aéroport et mettez-vous immédiatement au travail. Toujours un comportement exemplaire, hein. Oh.
Je sais. Pour moi, vous faites bien plus qu'essayer. Ça me plaît. Il y en a si peu qui se donnent la peine. Bien sûr, si vous voulez changer les choses, la bonté à elle seule ne vous mènera pas loin. Il suffit de regarder Diamond City. Je me tue à prévenir les gens des vrais dangers qui nous menacent, mais chaque fois que je publie un article, on me dit « Hé, Piper, pourquoi tes articles sont toujours aussi moroses ? Piper, tu pourrais pas écrire un papier optimiste pour changer ?» Des fois, ça me donne vraiment envie de jeter l'éponge. Oh, Bébou, ça a l'air épuisant. Oh, Bébou. Je vous comprends. Ça a l'air épuisant. Sans rire. Mais les gens méritent de connaître la vérité. Évidemment, ça peut être effrayant de savoir à quoi on a affaire. Il se passe pas une nuit sans que je... Ah ouais, attends, je peux les loot, les renforts. On va rendre une petite visite à Piper et à sa famille. Ah, bah on verra. Faudra Parce voir. Que je connais la vérité. Et c'est ce qui nous protège. Je suis toujours d'accord avec Piper, rien à foutre. Comment se protéger et protéger les siens quand on ignore ce qu'on affronte? Exactement. Cela dit, la plupart des gens préfèrent un mensonge rassurant. Pas moi. J'ai vu de mes yeux ce que la vérité peut faire quand elle éclate. Ma sœur et moi, on a grandi dans un petit village paumé, au milieu de la campagne. Notre père faisait partie de la milice locale. Au milieu de la campagne, un guingan. Ils ont grandi un guingan. Ils faisaient ça pour chasser les pillards de nos terres et les fangeux de nos chiottes. Et un jour, il est mort. Son capitaine, un abruti du nom de Mayburn, nous a dit que c'était les pillards qui avaient dû le cueillir pendant son tour de garde. Je l'ai pas cru. J'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert que ce type était un traître. Oh. Il trouvait qu'il n'était pas assez payé pour veiller sur le village. Il avait prévu de laisser les portes ouvertes une nuit, pour laisser une bande de pillards mettre le village à sac et prendre sa part du magot. Mon père l'avait appris et il allait le dénoncer, mais Mayburn a été plus rapide. J'allais pas laisser ce fumier s'en tirer impunément. J'ai essayé d'en parler au maire, mais il a rien voulu entendre. Alors j'ai collé des affiches dans tout le village, recherché pour grave manquement à son devoir, Capitaine Mayburn. Ah ouais, ça, je passe pas mon cul là-dedans. Hein. On a flanqué Mayburn dehors et on s'est barricadé. Quand les pillards sont arrivés, ils ont pas été déçus. Vous avez sauvé ces gens? Non, ils se sont sauvés eux-mêmes, parce qu'ils savaient la vérité. Mais je parle. J'ai du mal à m'arrêter parfois, désolée. Ça fait simplement plaisir de parler à quelqu'un qui a l'air de comprendre ce que je raconte. Guess. Enfin, bref, on y va? Dans le buisson d'à côté, ouais. Patience, chevalier. Consacrons toutes les ressources disponibles à cet espace. Ouais, non, attends. On va aller vendre les trucs, là. Je pense que c'est relou. Attends. J'ai rien dit, peut-être. Ouais, si, c'est relou, en fait, son truc, là. À tes souhaits, merci. En fait, c'est, il est, en fait, c'est un truc que j'aime pas dans le, dans le, dans le Pradwen là, je sais pas quoi là. C'est que juste de, juste pour parler au mec en bas, il faut faire un temps de chargement, ça me casse les couilles. Ah ça c'est relou. Ça c'est vraiment relou. Dégage la mouche là, ta mère. Ta mère la mouche. Grâce à vous. La confrérie est... Me raconte pas ta vie. Me raconte pas ta vie. Laser Gatling. Pouah là là. Bah attends, ça coûte tellement pas cher, wesh. Me raconte pas ta vie. Ta vie. Alors. Piper, le petit dinosaure. Hey. Viens là. Oh merde, j'ai enlevé son chapeau. Les laser gatling, ah ouais. Chapeau. Prendre, équiper. Oh, incroyable, je savais même pas qu'on pouvait faire comme ça. Piper, le petit dinosaure. Et c'est puissant, ah ouais. C'est quoi ça? De la merde ça. Alors on va. Allez hop. Faire? Qu'est-ce que je peux faire? Connétable Tigane. Quel
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? À foison. Juste un coup d'œil. Juste. Ne raconte pas ta vie. Voilà, pistolet. Bam. Balise fumigène. Bon, je les garde parce que... Lance-missile 161, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Ah ouais, bon, c'est de la merde, ça. Comme j'ai de la thune, je sais même plus quoi en faire, la vérité. Truc d'armure. Ah merde, attends, faut pas que je me trompe. Vêtements en cuir. Monsieur. Moi, je vais vendre mes bric-à-brac. Genre ça, là. Briquet à essence. Ça, je vais garder. Cartouche de cigarette, je vends. Main d'écorcheur. Ah, je garde. Gousset. Mais le truc en or. En argent. Paquet de cigarettes. Peau d'écorcheur. Scotch, térébenthine. Hop. Et ce sera tout, mon bon monsieur. Pam. Viens là, Papers. Papers, motherfucker. J'ai sans doute quelque chose qui pourrait vous servir. C'est que je pourrais lui donner une arme en vrai à cette connasse là. C'est que j'ai des armes à pas savoir comment faire en vrai. Attends, Papers. Come on, Papers. Gauche, casse synthétique. Jambière. Tac. Tac. Ah, ce que je vais faire, je vais pas faire le con. Armurier, module d'armure de base de rang 1. Allez, bam, ça dégage. Ça, c'est bon. Tadadam. Ah oui, quand vous buvez, vous mangez un petit peu de radiation, c'est vrai. Moi, je peux dégommer ça comme je veux en fait, je suis con. Ah ouais, vous dégommez ça comme je veux alors. Donc tac. Tac tac bing bing. Connétable Tigan. Vous cherchez la bagarre? Je peux vous aider à la gagner. Oh, juste un coup d'œil. Beau, je suis sûr. Oh merde, j'ai oublié de mettre mon truc. Mes tenues. Donc le casque. Attends. Casque de commando. 800, ouais. Ah, 2000, je suis un peu un crevard moi. J'aime bien les trucs pas chers quand même. Casse synthétique du coup. Vendre. Et je vais acheter le casque. Bon, alors non, j'aurais peut-être pas dû le vendre, le casque synthétique. Alors, réinitialiser. Est-ce que vraiment... Ouais, limite, en vrai, faut lui mettre une armure assistée, en fait, à Jacqueline, en fait. À Béatrice, là. C'est que là du coup j'ai les trucs de radiation en même temps. Ah ouais, je prends ça. Bras droit. Brassard gauche. Ah ouais. Ah, ça donne 10-10. Mais là du coup j'ai les radiations en même temps. Ah ouais, bah non alors. Attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais faire ça. Putain, 2000, je prends un crevard pour acheter ça, moi. Bah mais les armes, connard, là. Il est relou, lui. Non. Tac. Mais qu'est-ce que je peux te vendre, Michel, pour te faire plaisir, là? Mes armes, non. Mes tenues, non. Mes soins. Pour gratter un peu de thunes, là, le jet. Ouais, jet.
Du mail X, c'est quoi qui me donnait moins 1 ou je sais pas quoi là? Vend les mods, ah oui, les mods. Pff, d'accord, les mods, hein. Les mods, on va dire. Vend les mods. Viande écorcheur. Non, non, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, t'es tout seul sur le chat, wesh. Rat de serre grillé, la charge maximale. Ça, c'est pas mal, faut que je le garde, ça. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui me donne moins. Je sais pas quoi, qui pue la merde, là. Histoire de lui prendre un peu mes thunes, là. Whisky. Ah, ça. Si, bon, il n'y a plus. Arrête scorpion. Ouais. Ah non. Accepté. Après ça dépend des jeux aussi, hein, c'est. Ça dépend des jeux aussi. Hop là, bon. Alors, Jacqueline, viens là. Alors. Alors, tenue. Synthétique, alors attends, c'était lesquels déjà? Tac, tac, tac. Si je mets abri 11 par exemple, tac, plafond de combat, c'était 15, c'est ça? Ah, confrérie, tac. Donc il manque les jambes, on est d'accord. Jambière de combat, jambière, non, brassard, merde. Jambière gauche. Et c'est bon. Normalement c'est bon. C'est bon. Ouais, ok, ok. C'est bon, parfait. Et du coup là, 60, 70. Ah, je suis pas. Ah, c'est pas ouf, hein. Attends, ça pue la merde là. Comment ça c'est. Oh, le plastron il donne 15. Ouais, je comprends pas là. Là, ça merde. Ça faut que je le vende. Bizarre, j'ai l'impression que ça donne pas beaucoup. Ou alors j'ai oublié un truc peut-être, non? Jambière, non? Hein, j'ai rien oublié pourtant. Plastron, casque, brassard gauche, brassard droit, jambière. Ah, il y avait pas une jambière que j'avais en trop là, non? Ben il est là. Ouais, bon bah ouais, ok, je pensais que j'avais mieux. Attention. Viens là, Jacqueline. Ne faites pas attention au bazar. Attention au bazar, il y a une casquette. Alors, attends, c'est bon, hein, j'ai tout équipé là, on est d'accord. Donc, ça je vais le vendre. Donc, elle, je lui donne ça, ça. Ça, je pourrais les revendre, mais aussi au pire, j'ai de la thune, ça va, j'ai de la thune, je sais pas quoi faire. Ça, je le garde. Ah oui, il fallait que je lui donne une arme aussi. Tu peux lui donner une arme, on est d'accord, hein. Pour le moment je vais rien lui donner. Équipé. Quoi? Oh, elle a poil, wesh. Bah non, mais Piper, tu pues la merde comme ça, wesh. Attends, je lui enlève. Oh non, 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 attends, attends, je lui mets sa petite casquette quand même, hein, faut pas déconner. Oh. On est où là? Ah, Piper, ah, elle est forte, hein. Elle est forte, elle est forte. Salut Michel. Aujourd'hui. Oh, Michel. Plus de puissance de feu. Justement. Une tenue. Donc vêtements en cuir. Ça, c'est pas mal. Attends, uniforme de la confrérie. Attends, tac. Uniforme dans la coffrerie, on est d'accord que.
Tac. Il s'est refait avec mes thunes, ce bâtard. Hein. Salut Michel. Prudence. Bien sûr, jetez un œil. Comme ça, elle sera peut-être un peu plus forte. Yes. Ah, qu'elle est belle. Oh, mi amore. Per favore. Bref, vas-y, go. Il part pas se coucher, Bernard, là. Grrr, elle est sexy. Ah merde, j'ai toujours pas vendu. Bah tiens, tu vas me rendre mon argent là. Rends-moi mon argent là. Cherchez la bagarre, je peux vous aider. Voyons voleur. Ce que vous avez. Toutes mes armes sont. Tac. Mina Plasma, j'ai dit que je le gardais. Ça, je garde alors. 22, la chienne. Je m'en bats les couilles. Voilà. Du coup, on est beau gosse. On a 18 000. Oh là là, oh là. On a 18 000 et quelques. Je sais même pas comment faire, la vérité. Du coup, pam 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 pam. Je sais même plus ce que je voulais faire. Non, bah, tant pis, on ne donne pas d'armes à se faire foutre. Y'a plus de mission là ? Et je dois faire quoi maintenant là les gars ? Qu'est-ce que je peux faire du coup ? Aider la confrérie du coup ? Ah, parler à. À Connétable mes couilles là. T'es où Connétable mes couilles ? Allez hop, le chargement, let's go. Oui, le temps de chargement, quel plaisir. Oh, le temps de chargement, let's go. Ah putain, ça rend ouf. C'est écrit 16h, 19h. Ah ouais, non, mais le planning il est cassé. Hein. Ah, le planning il est cassé, wesh. Même pas, c'est même pas écrit 16h, 19h. Hein. C'est écrit 14h, non? Vérifie pour voir. Mais ouais, non, c'est écrit 14h, 18h, non? C'est pas ça? Je vais t'enculer. Ok, c'est bon. Et normalement, ouais, non, c'est écrit 14h, je crois. 16h, 19h ? Je suis trop fort, moi. Ah bon ? Mais moi, je m'étonne, la vérité, tu vois. Pour le samedi ? Ah ! Mais non, mais les. Ah oui, non, non, mais c'est. Non, mais là, je fais de la merde, en fait. Je fais que de la merde. Ah si, 16h, 19h ? Ah ouais, 16h, 19h, je suis le boss, en fait. Mais je suis le boss en fait. Parce qu'en fait la semaine dernière j'avais dû mettre 14h, 18h. Et en fait comme je suis un guignol, le soir je fais du Evil Within, je faisais du Dark Souls ou du Evil Within, je sais plus. Et du coup par exemple je finissais le live à 3h du matin, t'as capté. Ouais si c'est ça ouais. Ouais mais si c'est ça, c'est bon du coup je gérais. Du coup ce que je faisais c'est que le soir je finissais à 3h du matin le live par exemple. Sauf que du coup, au lieu d'aller dormir, bah je restais, et du coup je restais éveillé jusqu'à 8h du matin, t'as vu? Je restais réveillé jusqu'à 8h du matin. Sauf que du coup, bah si je liveais la semaine dernière, je devais live à 14h jusqu'à 18h, parce que du coup, bah ouais, je suis les 8h du matin, j'ai pas dormi. C'est vrai que genre que quoi, je me couche jusqu'à midi,
Après, entre midi et 14h, faut que je mange. Et après, t'as vu, faut live. Vas-y, laisse tomber, c'est la merde, t'as vu. Du coup, là, j'avais mis 16h-19h. Et au fait, je croyais que j'avais mis 14h-19h. Donc au final, non, je suis bien. Mais par contre, Evil Within, par contre, tu vois, il a changé. L'aîné Maxon a dit que vous m'aideriez à fabriquer. Evil Within, je l'ai mis à 21h30. Mais du coup, au final, je fais 16h-19h. Donc au final, en fait, le seul truc qui est important à respecter, c'est l'heure de où je commence. Le truc le plus important, en fait, c'est l'heure où je commence. C'est au soit l'heure où je finis, c'est pas grave, tu vois. Mais là, par exemple, hier, j'ai fini à 21h le live. Le live sur Fallout. Hier, j'ai fini à 21h. Après, j'ai repris le live à 22h sur Evil Within. J'ai fini à 3h du matin. Je me suis couché à 8h du matin. Je me suis réveillé à 15h. Après, hop, j'ai mangé un petit truc. Je me suis lavé vite fait. Hop, j'ai live à 16h. Très impressionnant. Mais vous pourriez le fabriquer ? Mais du coup, au final, vraiment, ça va, au final. C'est que je peux faire des miracles. Juste décaler d'une demi-heure Evil Within, sinon ça va, en fait. Je crois que vous pouvez commencer par fabriquer une plateforme réflectrice stabilisée. Bon, ça va, en fait, je suis content. De métal de qualité supérieure. Mais à la base, moi, là, là, je suis au chômage. Mais je suis à la recherche d'emploi en même temps, parce que là, du coup, j'ai fini mon contrat le 31. Ces plans semblent le 31 parler. Juillet, et du coup, bah là, je suis tranquille, quoi. Je prends des petites vacances, on va dire. Et à la base, je réfléchissais à un planning, mais avec sur un vrai guignol. J'ai réfléchissé à un planning, je voulais live le matin, l'après-midi, faire une pause le midi, re-live l'après-midi, et re-live le soir. Du coup, je me dis, bah, par exemple, bonne chance pour trouver un job. Ah bon? Pourquoi? Ma liste de réparation ne cesse de s'allonger. Pourquoi? Non, au calme en vrai. Mais ils sont cons, inaccessibles, wesh. N'hésitez jamais à abattre les vermines. Et du coup, à la base, ça peut être compliqué. Non, ça va, c'est tranquille. Non, mais là, en fait, en août. Non, parce que moi, je charge dans un truc. En vrai, je me prends même pas la tête maintenant. Je charge un truc dans le ménage. C'est quoi ça? C'est ça? Quoi? 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 J'ai pas compris là, wesh. Quoi? Ah ouais, faut un terminal de je sais pas quoi. Que l'émetteur rayon. D'accord, et je le fais comment? Je fais quoi? Je le mets là? Bah attends, je vais le foutre ici, c'est stylé. Bah alors. Bah alors, c'est facile. Parce qu'en gros, moi là maintenant je charge dans le ménage. Et en début juillet et début août, il y a grave des. En gros, il y a des trucs en mode remplacement. Bah ça dépend dans quoi ils cherchent en vrai. Moi à la base j'étais jardinier à la base. Et comme maintenant en vrai je stream, enfin non, à la base en fait en jardinier je trouvais pas. Parce que t'as pas le permis, tu peux pas trouver. Du coup le permis ça me casse un peu les couilles. Du coup vas-y le permis, je me suis dit vas-y j'en ai marre de. J'ai pas envie de passer le permis en mode faut que je le passe absolument pour trouver un taf. T'as vu le prix comment le permis il coûte. Putain l'ordi là wesh. Il va mourir mon ordi cet enculé là, allez hein. Vu comment le prix du permis il coûte, j'ai pas envie de passer le permis vite fait et risquer de le louper vu le prix qu'il coûte, tu vois. Et du coup, j'ai taffé dans un truc, au final, c'est un peu comme l'intérim, tu fais plein de missions. Et en gros, j'ai fait des trucs, j'ai fait jardinier, j'ai fait des déménagements, alors, j'ai fait. C'est terminé ? Oui. J'ai fait des déménagements, j'ai fait du jardinage, j'ai fait peintre en bâtiment, j'ai fait des trucs genre je passe le Karcher, j'ai travaillé en cantine scolaire, j'ai fait le garde d'enfants, j'ai fait le ménage dans les écoles, le ménage chez les gens. Aucun problème, Ingram.
Enfin, j'ai fait plein de trucs. Et par contre, j'ai fait du ménage. J'avais une mission, en gros, qui était cette mission-là. C'est pour ça, c'est là que j'ai voulu faire du ménage. Donc, je me suis dit, en vrai, c'est tranquille. C'était une mission, en gros, t'as des bâtiments, t'as des cases d'escalier. Et dans chaque case d'escalier, t'as un petit local avec du matériel, tu vois. En gros, t'as pas besoin du permis. C'est-à-dire, tu prends le bus et tout, tranquille. Tu vas de bâtiment en bâtiment. Et en gros, y a personne. C'est-à-dire, y a personne qui te casse les couilles. C'est-à-dire, t'arrives, t'as tes clés. T'ouvres ton local, tu nettoies, tac, 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 tranquille. T'es au calme. Tu fais ton taf. Et du coup, je me suis dit, en vrai, le ménage, en vrai. T'es obligé, en vrai. Non, c'est de la branlette. Franchement, c'est de la branlette. Franchement, non, mais après, ça dépend ce que ta mère elle a travaillé. Après, ça dépend quel âge elle a ta mère aussi, tu vois. Mais moi, je te jure que j'ai fait jardinier. Je te jure, j'ai fait jardinier. La tête de ma mère, que le ménage, c'est de la branlette. C'est tranquille, la vérité. Genre, par exemple, là, j'ai peut-être trouvé un taf en hôtellerie de 9h à 13h, du lundi au vendredi, et un week-end sur deux. De 10h à 13h, tu vois. Franchement, comme ça, l'après-midi, hop. Quand je finis à 13h, je vais au sport, tranquille. Je m'inscris à une salle de sport. Je pousse de la fonte, là, tranquille. Après, je rentre chez moi, petite douche. Je stream. Je streamerai sur FIFA. Je ferai du Ultimate Team, tout ça. Et le soir, je ferai un jeu en mode histoire, un peu. Non, franchement, c'est vraiment c'est tranquille. Hein. Oh, un circuit imprimé, les bâtards. Moi, je veux pas travailler en. Oh, les fils de pute, comment? Ah, ouais, ok. Moi, je veux pas travailler toute la journée. Je veux faire un petit taf en temps partiel, tranquille, au calme. En vrai, moi, justement, comme je te disais, l'entreprise, le truc où j'ai fait plein de missions. En gros, des fois, tu pouvais taffer, tu pouvais toucher 700, 600 euros. Des fois, tu pouvais toucher 900 euros. Et des fois, tu pouvais toucher, 600 euros, t'as vu. T'avais pas les mêmes salaires, tu vois. Sauf que la vérité, des fois, ah putain, il me soit un circuit imprimé, il me manque, putain. Ah, où est-ce que je peux trouver un circuit imprimé, wesh. Vas-y, recycler. Bon, bah, le tapis, on va le garder, c'est stylé, j'aime bien. J'ai même pas fait exprès de le mettre sur le tapis. Et du coup, des fois, en vrai, je me dis, en vrai, la vérité, que vrai, 800 balles. Comme je suis tout seul, en vrai, la vérité, je peux vivre tranquille, 800 balles. Non, en vrai, je vais même pas me faire chier à travailler en temps plein, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire un petit temps partiel, je touche 800 balles, et après je touche la prime d'activité, ça me fait 150 euros. C'est au calme. Comme ça, comme je t'ai dit, 8h, 13h, en hôtellerie, tu fais le ménage, tu fais les lits. Au calme. Après, je t'ai dit, ça dépend des gens. Les gens, ils peu de physique. Hein. J'éclate. Bon, au final, j'arrache tout. Allez, hop, on s'en a souvenir. Hein. Parti pour tout arracher. Ça, dommage, je peux pas les bouger, ces putains de trucs en bois là, en béton là, c'est relou ça. Ouais, même le tapis, les gars. Qui est sans bois? Un bar. Ah ouais?
Bah de toute façon c'est la quête principale ça, de toute façon, non? Ouh. Comme quoi j'ai bien fait de pas faire ma maison. Ah ouais. Construisez un générateur. Un émetteur rayon. Bah là il se manque quoi? Il manque juste Attends quoi? Un générateur ça fait 3. Hein? Besoin de vous, je vous appellerai. Tu vas parler à toi, hein, sois tranquille toi. Du coup, il me faut un scanner biométrique de je sais pas quoi là. Putain, quel enfer là. Attends, vas-y. Est-ce que j'ai tout là-dedans moi du coup? Matériaux nucléaires, tu vois, j'ai pas mal de trucs. Trucs biométriques de merde. Ah ouais? Attends. Truc biométrique, je dois en avoir, c'est obligé. Tu peux pas aller dans l'ampoule. Ah si, là. Et alors? Un générateur, d'accord. Bah je peux construire le meilleur. Ah non merde. Produit 3, produit 10. Ah putain, il faut être... Ah putain. Produit 5. C'est bien ça, produit 5. J'en mets 4. Bah j'en mets... Si tu m'as dit qu'il faut 20. J'en mets 4 comme ça, c'est bon, je suis tranquille. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est le relou. Après, j'ai juste... Après, il faut encore que je recycle quelques trucs, mais c'est bon. Hein. C'est ça ou pas? Il en faut 20. Tu m'as dit... Et puis, il te demande 3. Il en faut 20. Si j'en mets 4, c'est bon. C'est ça ou pas? Il me demande 20 d'énergie, t'as dit. Bah attends, je demande. Bah attends, je fais pas maintenant alors. C'est quoi ces merdes, la pylône de merde? Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Bah attends, je le fais pas maintenant alors. Spécial. Un circuit imprimé. Attends, faut que je trouve les circuits imprimés, attends. C'est une belle nuit. Les créatures qui voient mieux dans le noir que nous vont en profiter pour... Examiner. Dommage qu'on peut pas chercher, wesh. Attends, je vais aller chercher par le fond. Putain, j'ai pas de circuit imprimé, genre. On est dans la grosse merde. Circuit, putain, céramique, je croyais que c'est circuit imprimé, je sais pas pourquoi. Et ben j'en ai, Putain, j'en ai même pas de circuit imprimé dans la merde alors. Ah là 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 là. Parce que du coup, j'ai construit ça, il me faudrait juste un circuit, ça l'émetteur. Un circuit imprimé, où est-ce que je peux trouver ça, un circuit imprimé, wesh? Ah, nécessite 20, d'accord. Ah, nécessite 2, d'accord. Je viens de capter, d'accord. Ok, je viens de... D'accord, ok.
Et après, faut juste les relier, quoi. Construisez un générateur. Ok, putain, j'ai tout capté, ok. Bah d'abord, je préférerais d'abord prendre mon circuit imprimé. Ils vendent pas ça, Bernard Lama. Bernard Lama. Il y a un circuit imprimé là-dedans, non? Mais il achète circuit imprimé, hein, parfait. Est-ce qu'il y a un vendeur, un truc ici? Yagdal, il y a que dalle ici, à quoi ici? Yagdal, wesh, faites quoi ici, les mecs? Ah, c'est vrai. Ah, putain, merde. Il pique des réacteurs à fusion normal. Ah, faut que tu trouves des tourelles, mais où est-ce que tu trouves des tourelles, mon putain, merde. Laissez pas le désespoir vous envahir. Nous sommes là pour sauver. Non, mais ils doivent en vendre quand même des circuits imprimés, je pense. Attends, essaye, putain, une casse-lit. Eh, une casse-lit. Eh, c'est. Eh, c'est de la merde, hein. C'est de la merde ici, hein. C'est vraiment. Putain, c'est. Tu as plus la merde. Ah, oh, je déteste cet endroit. Putain, c'est vraiment de la merde, hein. Je déteste. C'est où déjà? Ah, mais putain, on est parti, on est venu en avion. Oh, qu'est-ce que c'est relou. Oh, c'est de la merde. Croyez-en mon expérience. Oh, putain, ça m'emmerde. Putain. Oh, je retourne chez WAM. Oh, Diamond Cities. Non, mais ils doivent en vendre des circuits... Merde, c'est quoi les circuits imprimés? Non, je vais essayer d'en acheter des circuits imprimés. Moi, oh, j'ai 18 000... Après là c'est chiant, il est presque 20h en vrai, c'est relou ça. Ah oui, le nounours, c'est bon. Ça s'est mis à jour. Ah oh, putain, ils dorment ces connards là. Ils font en ouf. Ah putain, j'aurais rien branlé aujourd'hui, hein. Ah, oh, j'aurais rien foutu aujourd'hui, hein. C'est fou, hein. Autant hier, j'ai fait les holobandes avec... Vous avez sauvé Valentine. Beau boulot. La plupart des synthétiques ne flanquent pas. C'est ouf, Pipe Room. Nicky, il a rien à voir avec les dingues de l'Institut. Autant j'ai fait les... Comment il s'appelle? Ce que j'ai vous aidera à rester en vie. Lui, je l'aime bien. D'accord, Arturo. Je vais jeter un coup d'œil. N'hésitez pas. Arturo, il a, allez. Tu vois, le bon gars, mon pote, il l'avait acheté direct. C'est ça qu'il avait. Alors... Tu vois ce que t'as déjà? Coup de combat. Une masse. Brasse, brasse au max. Brasse, brasse au max. Putain, il a rien ce connard. Toi. Tout ce qu'il y a ici vaut exactement le prix que j'en ai. D'accord, voyons ça. Tout ce dont vous... Allez, je prends. Toi, t'es tué. Allez, en C. Cargaison, cargaison, cargaison. Putain, y'a rien. Non, je prends, attends. Ah, tu sais quoi, attends, je vais l'acheter des jambes à l'autre, à Jacqueline. Arturo. On peut parler flingue. Arturo Bida, ouais, allez. Bien. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. N'oubliez pas de faire. Me raconte pas ta vie. Alors, tenue. Toi, lui, il vend ça 3000. Il est malade celui-là. 4000 même. Taré celui-là. Les jambières. Putain, 100 000 les jambières, taras. Ça vaut même pas le coup. Plastron, putain la vache. Il est bien lui, hein. 25, 15, 15. Putain la vache.
Ah bon, attends, j'ai juste la des légendes d'abord. Légendaire, ah ouais? Ouais, mais je m'en bats les steaks quand même. 4000 balles quand même. T'en fous, hein. C'est jambe bien droite, jambe bien gauche. Ouais, je peux pas mettre le nom complet, hein, Vorace là. Comment je fais pour savoir si c'est jambe bien gauche ou droite? Jambe bien gauche. Bah, je fais comment pour savoir si j'en viens droite ou gauche, moi? Bon, attends. On se confirme l'échange. Bon, attends, ouais. L'enlisement. Viens là, toi. T'es belle comme ça, toi. T'es mignonne. Prudence. Faites-moi signe. Bah, non, mais frère. Faites-moi signe, fous de ma gueule. Putain, ta grosse race de merde. Vous cherchez quelque chose de précis? Ah, du coup, le casque synthétique, je le prends. En tout cas, le chancure rouge, je le prends. Tenue. C'est ça? Je suis con, comme. Équipé. Donc, ça, c'est le droit. R3, ah ouais, ok, salut, d'accord. Des trucs super, des fois que ça vous tente. Voyons ce que vous avez. Ce qui se fait de mieux. Bah, c'est pas des génies, les mecs. Hein. Donc, celle-là, R3. Ah putain, R3, j'ai fait L3, ta grosse race de merde. Bah, il est où du coup? Ça? Non. Ça. Jambe bien droite, bah, heureusement que je l'ai pas racheté, hein. Voilà, jambe bien gauche. Bam. Comme ça, il est content, Arturo Vidal. Viens là, viens là. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Oh, il a sifflé. Oh, il a sifflé, wesh. Oh, le bâtard. C'est un chien, wesh. Il a sifflé, le bâtard. Équipé, voilà, là c'est bien. Bah non, Taras, mais. Hé! Hey. Allez-y, parlez! T'as pas eu peur, tu m'emmerdes. T'as eu peur, ta grand-mère, viens là, là, putain, là! Pas possible, hey. Hein! Le chemin. Tenez, échanger! Hé! Hey. Ah, c'est la jambe bien gauche, ta grand-mère, là, putain! Là, j'ai réussi à me tromper quand même en regardant. Je suis vraiment un truc du cul. Elle me raconte pas de ta vie. Quand j'étais mort. N'oubliez pas de faire le plein. J'ai réussi à me tromper, c'est fou. Hein. Casse de synthétique, allez hop. Ça. Ouais, j'ai acheté le gauche au final. Putain, que. Ah. Tenue, heureusement que je suis pété dessus, hein, putain. Donc jambière. Jambière droite. Non. T'es là 700 balles, il a jamais été aussi riche ce chien. Mais arrête de. Putain, Piper, je vais t'enculer. Hein. Ah. Excusez-moi, vous auriez un instant? Non, il n'y a pas d'instant, cela vous wesh. L'élite dirigeante de Diamond City ait peut-être été infiltrée par des synthétiques? Absolument, Piper. Mais c'est pas possible. On y va. Que je vais... ah. Alors, la rien. Eh, putain, c'est un truc de ouf, hein. Eh, Valentine, il m'a jamais fait ça, hein. Hein, c'est incroyable, hein. Oh, eh ben. Attention à ce que vous faites. Je ne sais pas pourquoi on laisse Valentine vivre. Attends, je regarde rapide, hop là. Il sauve une ou deux personnes et tout le monde oublie cette affaire. C'est ouf, hein, je me fous de ma gueule, hein. Je suis bien occupé pour. Piper, c'est une femme forte, putain, elle est relou, hein. Ah, c'est une femme forte, hein. Hein, on lui dit pas. Elle fait pas ce qu'on lui dit, elle, hein. Si elle a envie de faire un truc, elle le fait, hein. Rien à foutre, elle, hein. Ils sont le fléau des terres désolées du Commonwealth.
et du reste du monde vaguement organisé sous une hiérarchie faisant du plus impitoyable d'entre eux le chef de clan. Elle a du caractère. Je suis célibataire, j'ai du caractère. Les relous. Elle est lourde, la relou, elle est lourde, elle est lourde. De toute façon, je vais pas tarder à m'arrêter, je vais m'arrêter vers 20h, je pense. Ou est-ce que je fais jusqu'à 21h? Est-ce que je fais jusqu'à 21h? Et au pire, je m'achète un kebab. J'ai pas encore mangé mon kebab du week-end là. Ou mon truc en vrai, putain, je suis. En même temps, ouais, je sais pas, en vrai, non, je pense que c'est mieux de s'arrêter en vrai. Hein. Comme ça, au pire, demain. En vrai, demain que je live en vrai. Parce que demain, normalement, c'est mon jour de pause. De toute façon, là après, après il y a un truc qui sera bien. Là en vrai, là je suis un peu bloqué parce que si je me lève trop tard, parce que moi je live trop tard et après moi je live à 22h sur Evil Within. Mais après, ce qui sera bien, c'est quand je liverai plus, quand je ferai plus du Evil Within, je mettrai Fallout le soir. Comme ça, je liverai, je commence à 22h. Non, bah attends, je parle des endroits là. Comme ça, je commence à 22h. Je peux finir à 3-4 heures du matin au calme. Et au moins là, je pourrais avancer de ouf. Et du coup, ouais, c'est ça. Moi, c'est ça le problème avec les open world. Encore, ça va. Hein. Comme t'as dit, l'histoire est courte. Donc en vrai, c'est ça qui est bien. Donc en vrai, si tu t'étales et que tu fais quasiment 10-15 heures de plus dans le jeu. Il est là, mon circuit imprimé, il est là! Merde, il est pas là. Bah, en vrai, on a quand même pas mal de trucs à faire, donc en vrai, ça servira à rien de faire ça maintenant, ouais. Putain, j'ai pas réussi à le choper ce coup. Putain, expert, j'ai la flemme en plus. T'as dit ce que je voulais dire? Comment ça? Comment ça? J'ai dit quoi? Que tu voulais dire? Génial. Bah il est là le circuit imprimé, bah ouais. J'ai pas que ça en fait. C'était quoi ça? C'était vous? Il prend le circuit, il s'en va. Oh yes. Il s'enfuit comme une tempe. Ah, c'est ça que tu voulais dire, d'accord. Ok, donc là. Ah oui, du coup, d'accord. Attends, je vérifie si je l'ai bien. Circuit imprimé de qualité militaire, c'est bon. Imagine, je pars et au final, c'est pas la bombe. Yes! C'est ça que je ferai après quand j'aurai fini Evil Within. Putain, est-ce que je le fais en mode Akunu ce connard là? Putain. Là. Ah merde. Ouais, super. Je suis resté appuyé sur le truc, t'as pas voulu. Atelier. Special. Let's go. Ça, c'est où autour? Hein?
Non, c'est même pas autour, c'est de la merde. Je mets ça où? Voilà, et là, faut faire des putains de générateurs, motherfuckers. Les ampoules. Oh, les ampoules! Attends, il faut créer des connecteurs, il faut créer quoi déjà? Des générateurs, de toute façon, il faut créer déjà. Ton truc est trop sur le côté, tu peux pas le placer. Ah! Attends, bon, attends, hop là. On va se dégager là-bas. Attends, comme ça. Attends, est-ce que je le mets comme ça? Est-ce que je le mets comme ça? Ah, bonne question. Bonne question. Je pense que je vais le mettre comme ça. C'est en recyclé. Hop là. Oh! Beau gosse. C'est encore mieux que ce que je pensais. Mon ordinateur, on le fout là. En mode beau gosse. Là, en mode beau gosse. T'es content de pouvoir aider? Eh, vas-y, casse-toi là. Eh, vas-y, casse-toi. Je veux le bouger, ça, pas casse-toi, mais. Voilà. Oh, casse-toi, con de tes morts là. Ça part en couille. C'est pas une force, hein, c'est bon. Je mets ça comme ça là. Bam, en mode beau gosse là. Bam. C'est un peu trop reculé du coup. Attends. Non, au final c'est bien comme ça. Attends un peu trop. J'ai pas bougé, connard. J'ai pas bougé, connard. J'ai pas bougé, connard. Voilà. On veut pas bouger, ce connard. Bon, là, ça m'a gavé, allez hop, c'est bon. Pour les relier, je fais triangle. Attends, c'est relié de comme de c'est relié comme de la merde ça, attends, et il m'a relié ça comme un con là. Ah ouais, c'est moi qui décide. Comme ça, mais il m'a relié ça comme de la merde ça, attends, c'est dégueulasse ça. Et là je construis des générateurs, c'est ça? Connecteur et interrupteur, c'est ça? Et je fais quoi? Connecteur et interrupteur ou générateur, c'est tout simple. Générateur, attends, générateur, tout simple, d'accord. Est-ce que j'en crée des gros 5? Comme ça, je peux en faire que 4. Oh, est-ce que j'en crée des petits? Oh, sachant que du coup ça 5. Ok, 20, il faut 25. 27 il me faut. Il me faut 27. Bah non, mais au pire, attends, j'en fais des gros. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire des gros. Des gros patapouf là.
les branches comme ça là, comme ça. En mode beau gosse là, comme ça là. Putain, ordi de merde. Ah, j'aurais peut-être dû les foutre ici en vrai. Énergie 25, c'est parfait. Attends, je préfère les mettre comme ça en fait. Viens là, poteau. Ah putain, mais je suis bloqué, mais qui, c'est quoi cette connerie là? Non, non, je vois plus tes messages. Hein. Putain, c'est pas possible, mais cassez-vous là. Tac, il me manquera 27, il m'en manque un à un petit à 3 et c'est bon. Alors, trop facile ce jeu. Attends. Elle est trop facile ce jeu, c'est un truc de ouf. Voilà. Tu les relis au panneau de commande. Mais du coup, il manque 5. 25. Il me manque encore un petit à faire. Bah, j'aurais pu en faire 10 en fait directement. Ah non, il me manquait des engrenages. Ok, c'est bon, c'est pas mal. Oh, il manque des engrenages. Oh là là, il manque un engrenage. Oh, il manque un engrenage. Ok, attends, il me manque des engrenages, c'est pas bon là. Atelier. Oh, c'est une blague. Engrais. Oh, j'ai trop cru que c'était engrenage. C'est écrit engrais, les bâtards. Ah, oh, l'enfer. Où est-ce que je peux trouver un engrenage, wesh? Peut-être dans mes conneries là, antiseptique. Matériaux. On ressort. Oh, je suis dans la merde. Ouais, mais non, mais je cherche bah oui. Mais non, mais un truc à recycler et après ça me donne un engrenage. Mais putain, j'ai rien, merde, il manque juste un putain d'engrenage, non. Putain, qu'est-ce que je peux niquer pour faire un putain d'engrenage? Oh là là. Il manque juste un engrenage, mais non, c'est un sketch. Il manque un... Il manque... Putain, bah non, c'est 27. Ça c'est 20, 5 et 2. Donc il faut 27, je suis à 25. Il m'en manque juste 1. Quand je les mets dans l'inventaire, ah bon? Ah ouais, je savais même pas, tu vois, je crois qu'il fallait les recycler moi-même.
Ah, je savais même pas, tu vois. Moi, je pensais qu'il fallait. Par exemple, admettons, je mets une clé à molette. Ça donne de l'acier, par exemple. Bah, pour l'avoir, il faut. Pour avoir l'acier, il faut que je jette la clé à molette et que je la recycle, quoi. Ouais, je l'ai fait. J'avais pas des engrenages, là, vite fait. Putain, un engrenage. Je vais trouver ça où, moi? Oh là là. Là, forcément, il y a rien du tout. Putain, mais comment ça se fait qu'il y a rien ici, là? Oh, ils savaient que j'allais venir, ils ont tout caché les bâtards. Ah, ils savaient, ils m'ont. Ils... Non, c'est fait automatiquement. Ok, d'accord, je savais même pas, tu vois. Putain, ils savaient que j'allais venir, ils savaient que j'avais tout carotte là, tu vois. Petit coup, hop là. Cellule à fusion. Gros, j'ai des cellules à fusion, j'ai des trucs nucléaires, mais j'ai pas d'engrenage. C'est fou, hein. Putain, comment je vais faire là? Où je peux trouver ces conneries? Putain, ils ont bien tout caché les chiens. Ah, un grenage, ça doit être dans un réveil ou des grenades peut-être, non? Aïe, 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 comment je vais faire? Où est-ce que je peux trouver un putain d'engrenage? Ah, je sais même pas où je vais, hein. Je vais partout et nulle part à la fois, je vous le dis. Hein. J'avance, mais alors là, c'est vraiment au petit bonheur la chance là. Oh. Mais ouais, non, mais c'est incroyable, hein. Non, mais c'est fou. Hein. Un engrenage, mais gros, mais attends, mais il est de la chance pour que je trouve un engrenage dans le bordel, c'est... Il est infime, en fait, là. Un engrenage. Ils en vendent, des engrenages, ces connards, là. I Demon Series. Après, ça en prend, en vrai, franchement. Oh, ils doivent en avoir. Après, franchement, j'ai de la chance, hein. Enfin, j'ai de la chance, mais en même temps, j'ai pas été con. C'est que tout ce que j'ai utilisé pour construire... C'est ce que j'ai gardé depuis le début du jeu. C'est-à-dire que depuis le début du jeu, je ramasse des trucs. Et à chaque mission, tu sais, je les stocke, je les stocke, je les stocke, je les stocke. C'est-à-dire que là, en vrai, tout ce que j'ai utilisé, c'est des trucs que j'ai depuis le début du jeu, quoi. Et t'as vu ma maison, au final, tu vois, Sanctuary, j'ai pas utilisé, j'ai même pas construit. Sanctuary, j'ai même pas construit de lit, hein. Il dorme par terre, les clochards. Hein. Ça fait 8 ans qu'il me demande. Si vous comptez sortir de l'enceinte. Ça fait 8 ans qu'il me demande des lits, j'aurais toujours pas fait. Hein. Bah, c'est ce qu'il faut faire, oui et non, en vrai. Parce que, bah, là, oui, parce que là, on sait, tu vois. Mais en vrai, moi, je pense que là, j'ai construit ma maison. Bah, en vrai, j'avais envie de continuer dans l'histoire principale, tu vois. Donc, j'ai joué, j'ai fait mes armes, mes trucs et tout. Toi, je me suis dit, ma maison, c'est pas le truc le truc. Tu vois, c'est un petit truc pour kiffer, tu vois. C'est-à-dire, je me suis dit, si un jour je suis chaud, je le fais, tu vois. Mais en vrai. Sauf si c'en est vraiment une. Mais en vrai, je me suis pas dit, je garde mes trucs pour une mission, tu vois, en vrai. Puis, tu vois, je le savais pas. Quand on accorde une grande importance à la sécurité, voyons ce que vous avez. J'ai gardé, en vrai, moi, je l'aurais niqué pour ma maison, en vrai. Oh, carrier 900 fils de pub, mais je n'ai pas besoin de 25, moi. Il est en 1000 balles, ce bâtard. Non, mais c'est un chien. Petit bâtard, bah. T'as 1000 balles. Vraiment, super. Ah, y'a pas des engrenages là-dedans, non? Je négocie pas. J'ai quelques minutes pour jeter un oeil. Tout ce dont vous avez. Non, mon engrenage. Ah, oh, 10 ans. D'engrais, ta grand-mère, va. Ça que par l'eau, c'est chiant. Oh les bâtards. Ça l'a bien niqué, hein. Avec une bonne cogneuse. D'accord, voyons ça. Elles ont toutes été faites. Et même pas ta vie. Hein. Ok, bah lui, c'est réglé, mais rien. Venez, engrenage, qu'est-ce qui pourrait vendre des engrenages là? Drogue et médicaments en vente libre. Recommandé par moi-même. Ensemble une éternité. Tournez autour des bases en. Désolé.
Vas-y, ça marche, bon appétit, je vais chercher juste un engrenage et après j'arrête. Putain, j'ai pas acheté 1000 balles son putain d'engrenage là, fais chier là. Ne vous faites pas tuer bêtement. À Commonwealth Weaponry, nous sommes là pour garantir votre protection. Ce que j'ai vous aidera à rester en vie. Ouais. D'accord, voyons ça. Il y en a pour tous les goûts. Passez, n'hésite pas hein. Vas-y, bon appétit. Bon, vas-y, vends-les-moi tes engrenages de enculé là. Alors là, toi, putain, je vais couper. Hein. Grosse frappe. Des putains d'engrenages. Ah, t'es vraiment la putain. Un établi ou un truc d'armure. Le type m'a dit avoir vu quelqu'un qui vous ressemble avec un gamin ghoul. Vous aimez le bricolage ? Mais je lui ai dit que c'était pas possible. Ah toi t'inquiète, les 1000 balles que je t'ai donné, t'inquiète pas que je vais les récupérer mon pote. Oh là 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 là. Oh là là mon pote, t'es pas prêt. Oh. Petit bâtard hein. Mais c'est vrai qu'en même temps, en vrai, l'argent que j'ai économisé, c'est depuis le début du jeu aussi. En soi j'ai beaucoup d'argent mais j'ai pas acheté grand chose. Hein. J'ai acheté quoi? J'ai acheté un sniper. J'ai acheté un sniper, bah j'ai acheté vite fait des protections. Puis c'est tout au final hein. En vrai j'ai pas acheté grand chose hein. Putain, ah, les chiens de merde, hein. 20h06, oh, ça va. Ça va, ça va. Mais ouais putain, quelle bande de bâtards, c'est vraiment. Ah, les gros chiens de merde, hein. Putain, oh là là. Oh là là, l'engrenage à 25 000 balles. Oh, oh le chien, là. Il m'a bien baisé hein. Voilà, après. Attends, nécessite 5. Allez, c'est plus simple encore. Attends. Donc il y en a un petit penché. Nécessite 5, c'est moi, nécessite 5, ouais. Ah, attends, il y a un problème là, ouais. Attends, j'ai vendu tous les fils là. Ça tourne, hein, ça tourne même pas encore. Voilà. Donc là il y a un câble ici, un câble ici. Tac, fixe les câbles.
Là. Voilà. On est ici deux. Merde. Ah, c'est le petit qu'il faut lui mettre en vrai. Voilà, comme ça. Ça passe plus propre. Voilà. Ça, je le branche bien là. Ça, je le branche bien là. Ça, je le branche bien là. Il produit 5, il donne 5 ce chien là. J'ai rien compris. Merde. C'est branché, hein, plus ça branche ensemble. Voilà, putain. Je peux mettre des trucs et tout là, genre. Attends, ça va. Des lampes de chantier. Des boules à facettes. Décale un peu. Quoi, je peux plus le mettre? Allez, un énergie, putain, merde. Merde, il est de l'autre côté.
de la merde en fait. Allez hop, les gars. C'est de la grosse merde. Allez, vas-y, casse-toi, allez. Recycler, allez hop, ça dégage. Eh ben, on est bien, la vérité. Eh, salut, Piper. Attention. Tenez, ça vous aidera à tenir le coup. Sans briocher, c'est bon, ça. Ça a toujours marché pour moi. Piper, est-ce que tout va bien entre nous? Ça va, même si on pourrait sans doute faire mieux. Croyez-moi, si ça allait mal, vous le sauriez. Un avis sur la situation? J'ai du mal à croire que vous allez vraiment pénétrer au cœur de l'Institut. Enfin, il faudrait déjà que le détournement du téléporteur fonctionne. Enfin, tout va bien se passer, évidemment. C'était tout. Ok. Prudence. Vous cherchez quelque chose de précis? Ok, transfert. Mes armes. Ah, j'ai que le bric-à-brac là-dedans, d'accord. Ah bon, voilà. Tac, tac, je vérifie vite fait. 232. Tac. Merde, c'est automatique. C'est chier, non. Prudence. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Je me demandais où on en était, vous et moi. Ça va, grosso modo. Mais je me disais qu'on pourrait en faire plus pour les gens du Commonwealth, non? Je me demandais où on en était, vous et moi. Vous avez pas à vous inquiéter. Ça va plutôt bien, on va dire. Je veux juste aider les gens. Et j'aimerais être sûr que c'est aussi votre cas. Non, rien. Ok. Voilà, sauvegarder, c'est ça qu'on veut. Tac, on a construit tout le bordel, ça c'est bon. Parfait. Bon, merci d'avoir suivi. Je vais m'arrêter là, je vous dis à ce soir pour Evil Within. Pour ceux que ça intéresse, je vous dis bonne soirée. Et à tout à l'heure.